façon débute un cauchemar. Pour David Vincent, architecte, de retour d'un voyage d'affaires, cela a commencé un mardi matin très tôt, vers 4 heures, alors qu'il cherchait un raccourci qu'il n'a d'ailleurs jamais trouvé. Dans la série Les Envahisseurs. Peter Knight, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'auteur du code secret des Envahisseurs. Oui. Nous, on se connaît depuis quelques années déjà. Oui. La première fois que tu es intervenu dans Top Secret, c'était à l'occasion d'un courrier des lecteurs. Voilà. Où tu nous informais d'une observation assez extraordinaire, je dois dire. Et donc, on avait publié la photo que tu avais prise ce jour-là. La photo d'un engin qui vous avait suivi avec ta compagne pendant 3 heures sur la route. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse le plus pour cette photo, c'est bien cette photo que tu nous as envoyée. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, alors, puisque quand même, tous les deux, on s'occupe pas mal de problématiques de matrice, ce qui a découlé de cette apparition. Alors, donc, il faut comprendre que je faisais une recherche poussée à l'époque, très, très profonde. Je m'étais isolé d'une certaine manière par rapport au système, quoi. Et j'étais avec Lara, je vivais une deuxième vie, c'est-à-dire, c'était presque occulte. Je recherchais une forme de présence dont j'avais la mémoire. Depuis que j'étais petit, j'avais vécu quelque chose, tout petit, à l'âge de 3 ans. Et j'essayais de peaufiner cette espèce de rencontre qui s'était produite du fait que mon père avait été mis en contact avec des disques volants. C'est très, très bizarre. Je ne peux pas tout dire parce que c'est dans le deuxième tome, ça. Cette observation, ça s'est passé quand je faisais une méditation prière dans une grande église de Saint-Michel à Bordeaux. Mmh. Et quand je suis sorti, l'objet était en suspens au-dessus de cette église, exactement à l'endroit où moi j'étais en train de faire cette méditation prière, quoi. Mmh, mmh. Et donc curieusement, c'était fixe. Et on trouvait ça anormal, Lara et moi, qu'il y ait cet objet juste au-dessus, à l'extrémité de l'église, au-dessus, dans le ciel, à peu près à hauteur, un peu au-dessus des toits, comme volent à peu près les avions de tourisme, les petits avions taxi. Après, l'observation, bon, c'est une observation qui reste assez classique dans le domaine de l'ufologie, pour ce qui est de l'observation de l'objet qui va vous suivre pendant 3 heures, oui. Vous allez pouvoir observer au-dessus de Bordeaux, oui, pendant 3 heures. Ça reste classique. Je pense que ce n'est pas utile qu'on s'épanche tout vraiment beaucoup là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière l'observation, tu as eu ensuite une sorte de vision du ciel. Oui, j'ai... Alors, est-ce que tu peux nous raconter, nous revivre ça, bon, cette alors, vision voilà. Après, on a été invités à Charon, chez des amis, dans une grande propriété qui avait un parc. Et on mangeait, on était à peu près 13 à table. Et à un moment donné, j'avais tellement chaud, comme c'était en plein été, et c'était quand même si c'était la nuit, c'était très chaud. J'ai voulu sortir pour m'aérer complètement, me débarrasser de tout ce qui était les discussions un petit peu superficielles. Et je suis sorti du couloir qui donne sur la campagne, sur une porte qui donne sur la campagne, dans le jardin, le grand parc, quoi. Et au moment où je franchis la porte, je regarde comme ça le ciel, mais c'était rempli d'étoiles avec la Voie lactée, tout, c'était magnifique en plein été. Et je vois en 2 secondes, le ciel bouleversé qui n'était plus du tout seulement les étoiles dans la nuit, mais des paillettes d'or qui flottaient comme en orbite autour de la Terre par milliards entre les étoiles, dorées, complètement dorées. Et j'ai vu que le ciel n'avait pas la configuration qu'on nous montre dans les revues astronomiques. Et j'ai su qu'il y avait, en moi, ça m'a bouleversé concrètement parce que ça dégageait une puissante lumière d'or. Chaque,
chaque feuille, comme si c'était des feuilles d'or larguées par 10 000 astronautes, des milliards de feuilles qui se seraient mis en orbite autour de la Terre et qu'on voyait entre les étoiles. Et ça tombait comme lorsque on renverse une boule où il y a de la neige ou des paillettes d'argent. D'aluminium ou d'argent qui bouge. On comprend bien l'image. En fait, et voilà, et exactement ça. J'ai vu exactement ça, comme si on était dans une sphère et que tout à coup, on n'était plus dans le même monde. Et j'en ai parlé à des gens, ils m'ont dit que c'est une matrice. On est dans un univers matriciel et que personne ne voit, mais que j'ai pu voir. D'accord. Donc tu as vu en quelque sorte l'envers du décor, en tout cas derrière un des deux secondes, j'ai su que ce que j'avais vu, ça m'a complètement bouleversé, n'était pas le ciel que l'on voit. Et je me suis même posé la question de la NASA qui envoie toutes ces galaxies, si c'est vraiment vrai, quoi. D'accord. Parce que je pense qu'il y a un trucage. On nous emmène dans des distances infinies, alors qu'en réalité, au niveau relatif, c'est tout près de nous. C'est-à-dire, c'est à l'orbe de la Terre existe un monde infini, mais qui n'est plus le même et qui est fait de paillettes d'or comme des grandes feuilles d'or tombant du ciel entre les étoiles. Voilà. D'accord. Bref, en tout cas, une observation assez exceptionnelle. Et tu t'es mis ensuite à correspondre avec Top Secret. Tu t'es mis à C'est correspondre ça. Avec le magazine. Et puis, tout ça a débouché sur la série de dossiers que tu as écrit sur les envahisseurs. Et alors, toi, tu as découvert un code qui y aurait dans les fictions, que ce soit les séries télé ou les films, que tu as appelé au départ le code Adamski, en te penchant plus particulièrement sur les envahisseurs, et que tu as élargi d'ailleurs au domaine des comics américains, des BD des années 50, qui étaient lus par énormément de monde. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ta théorie, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses vraiment l'exprimer, aller au bout de tout ça et nous raconter un peu ces découvertes que tu as fait autour de ce code, et notamment avec les envahisseurs, puisque du coup, ça t'a amené à devenir ami avec Roy Thinnes, l'acteur principal de la série. Et David Vincent. Donc, c'est une série qui nous a tous fait rêver. Même si tu n'en es pas resté à cette série, tu vas beaucoup plus loin dans le domaine de la fiction. Nous, à Top Secret, c'est vrai qu'on a l'habitude aussi de décrypter les films hollywoodiens plus contemporains aujourd'hui. Pas tout à fait dans le même angle pour arriver au même résultat, mais en tout cas, c'est clair qu'à Hollywood, il y a effectivement des messages qui sont transmis au grand public ou à l'attention de je ne sais qui, des messages codés. Ouais. Effectivement, on connaît tous l'histoire du passeport de Neo dans Matrix, c'est ça. Avec la date de péremption qui est au 11 septembre 2001. Donc, bah, écoute Pierre, par quel bout tu vas nous raconter l'histoire de cette découverte? Les envahisseurs correspondent à une invasion de Nordiques. Mais quand je l'ai vu à la télévision, à un moment donné, tout m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire, j'ai vu David Vincent aller vers l'hôtel Palomar, et la femme qu'il rencontre est une extraterrestre qui s'appelle Madame Adams. Et j'ai vu que c'était les cinq premières lettres du nom d'Adamski. Et sur l'hôtel où va David Vincent, c'est l'hôtel de Palomar, et ça m'a rappelé Adamski qui allait au restaurant Le Palomar. Et donc j'ai compris qu'il y avait un code à partir de là. J'ai voulu suivre ce code pour aller voir jusqu'au bout. Et j'ai découvert à travers les épisodes qu'il y a une guerre secrète en arrière-plan qui se joue sur l'échiquier mondial. Ça s'est avéré exact. J'en ai fait part à Roy Thinnes, qui a accepté de m'offrir les photos gratuites que je n'avais pas besoin de payer à Hollywood pour mettre le code en marche, décrypter, de craquer ces codes qui sont dans la série, du premier épisode, première preuve, au dernier appelé Inquisition. On a une technologie à énergie libre de Nikola Tesla. Sur Télé 7 jours, par exemple, on voyait l'acteur Roy Thinnes, David Vincent, posé devant un dispositif que j'ai identifié comme étant la bobine, la fameuse bobine électromagnétique de Tesla, une sphère posée sur une tige qui envoie de l'électricité.
Et en fait, c'était vrai. Et Roy Thinos m'a donné carte blanche pour donner le code. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est que j'ai eu récemment, par une journaliste, la version pilote d'une heure au lieu de 48 minutes. Et quand on voit David Vincent... Du premier épisode. Mm-hmm. Et quand on voit cette version-là, il n'y a pas marqué Hôtel Palomar, là où va David Vincent. Ils l'ont mis juste après. Et le code, Roy Thinos m'a dit, il a écrit la préface du deuxième tome, et il a dit que j'avais raison, on avait demandé à tous les acteurs et techniciens de lire tous les livres d'Adamski. Et donc moi je l'ai fait par intuition, et après il m'a confirmé, Roy Thinos, dans sa préface qu'il m'a écrite, que c'était réel. D'accord. Et alors si moi j'ai bien compris ta vision, c'est-à-dire que tu es allé bien au-delà de cette série des Envahisseurs, tu es allé chercher dans d'autres éléments, dans d'autres livres, dans des romans, dans des bandes dessinées, donc et aussi dans certains films. Mais cette guerre qui est en arrière-plan du monde dans lequel nous sommes, de cette matrice dans laquelle nous baignons, de ce système historique, de l'histoire telle qu'on nous la présente, ça remonte bien au-delà de la période moderne, de la période Adamski, période Tesla. C'est ça. C'est-à-dire cette technologie que tu appelles Tesla, en réalité, elle est aux mains de certains individus depuis bien avant l'époque moderne, c'est-à-dire, d'après ce que je comprends bien de ta théorie, c'est même depuis les Atlantes. Les Hyperboréens. C'est-à-dire les descendants hyperboréens, ceux de la pure lignée viking, ont une particularité physique. Entre l'âge de 40 et 50 ans, ils présentent une mutation de l'auriculaire, exactement comme ceux qu'on le voit dans la série, qui sont d'ailleurs des blonds, des grands blonds qui ressemblent étrangement à des nazis, et qui possèdent des disques volants, et pilotent de ces disques. Et David Vincent dit on les reconnaît, on reconnaît ces pilotes de ces disques volants à la mutation de leur auriculaire. Et c'est le baron Guillaume Dupuytren qui avait découvert cette mutation qui remontait jusqu'aux vikings et même certainement jusqu'aux hyperboréens, donc de pure lignée viking et hyperboréenne, dont les nazis se targuaient d'être les descendants. Et on récupère là une sorte de secret qui fait que cette mutation, d'après le baron Guillaume Dupuytren, n'arrive qu'à ceux donc de la pure lignée viking aux yeux bleus, et qui est d'origine totalement inconnue. Et on voit les photos sur... j'ai mis la photo dans le premier tome, justement, de cette mutation qui ressemble à celle des Envahisseurs, parce qu'on demandait aux acteurs, forcément, de mettre le petit doigt écarté, de le raidir, etc., ou de le courber un petit peu. C'est très difficile d'imiter complètement la maladie du Dupuytren. Bien sûr, cette malformation qui y arrive à partir de 40 ans, je crois. Entre l'âge de 40 et 50 ans, d'ailleurs, j'en connais... sur la Riviera, là, la French Riviera, j'en connais, j'en ai vu, et il y en a qui se plaignent de ça, ils doivent aller se faire soigner, etc. Et c'est des grands blonds aux yeux bleus. Mmh. On m'a dit d'ailleurs, un homme de cette pure descendance m'a dit, dis à Peter Knight, à une amie, il a dit, dis à Peter Knight que nous existons réellement. Donc alors là, j'ai compris que les dossiers qui sont secrets des anciens disques à lévitation magnétique, ou alors à turbines de type Victor Schauberger, les trucs turbines aériennes et liquidiennes, ont réellement existé. Ça a été construit pour des disques volants, dits dans un courrier de Victor Schauberger, sous-marins volants. Sous-marins volants, on n'en voit pas de sous-marins volants, à part dans la série Voyage au fond des mers, la série hollywoodienne. Donc, en réalité, ce sont les Vimana qui ont été recopiés sur des plans à haut mercure, qui ont été réadaptés avec la technologie nazie. Et on peut savoir aussi que ce qui remonte à l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide, ce sont des familles royales qui, entre elles, possédaient la technologie qu'on appelle celle du dragon, qui était une célérité d'une technologie mise en marche, des dispositifs à énergie libre, qui a été recopié par Nikola Tesla, puisque son ami Vivekananda parlait des anciennes races, et lui écoutait Vivekananda et refaisait carrément, Nikola Tesla, les inventions. Cette technologie donc, faisait de ces hommes, à l'époque des Vimana, des dieux. C'est ça. Ça les plaçait au niveau des dieux par rapport aux humains. Oui.
des dieux, des clans. Moi, je pense que la chronique de Michel Bogart nous dit que c'était des clans qui se faisaient la guerre. Et il y a eu énormément de batailles et beaucoup d'accidents et terribles, des guerres terribles. Et le commun des mortels, les prenait pour des dieux ? Le commun des mortels, celui qui a écrit Damon Leslie disait que ces dieux, qui sont aristocrates, avaient cette technologie. Sans qu'Oniaton en parle, il y a plusieurs milliers d'années, il a dénoncé les faux dieux qui pilotaient des chars, mais qui n'étaient pas vraiment des dieux venus du ciel, puisqu'il leur fallait des machines pour voler. Donc ce que je veux dire, c'est que Sankoniathon avait découvert un point essentiel, c'est Robert Charroux qui le cite dans ses ouvrages. Donc Sankoniathon dit bien que ce sont des imposteurs. Alors, ce qui est fascinant dans l'histoire des Vimana, dont certains fonctionnaient au mercure, donc tu l'as dit c'est tout ça. À l'heure, c'est qu'on a retrouvé, quand on l'a découvert, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, on a découvert un sous-marin allemand secret, un sous-marin de haute technologie. Et alors ce qui avait surpris et posé problème au niveau pollution pour les plongeurs qui devaient récupérer le sous-marin, qui avaient été voir la marchandise qu'il contenait, ce sous-marin était rempli de mercure. Tout à fait. Il avait des caisses de mercure. Et donc, ça rejoint complètement ce que tu es en train de dire. Oui. On peut même se demander si la présence de mercure aussi dans les tombeaux, les pyramides, que ce soit égyptienne, celle du serpent à plumes, il y a également une présence de mercure. Apparemment, il y a un fil conducteur à travers ça. Absolument. Par contre, Tesla utilise une autre technologie, lui, pour le coup. Oui, Tesla, déjà en 1911 au Waldorf, avait signalé qu'il était en train de faire son objet volant, qui n'était ni, il n'y avait pas besoin d'essence, il n'y avait pas d'aile ni hélice, et c'était, il pouvait rester en sustentation au cœur d'une tempête sans même bouger, sans s'écraser, et aller dans n'importe quelle direction à des vitesses stupéfiantes. Donc ça c'est ce qui a été volé pour moi, à partir des déclarations en 1911 de Nikola Tesla, qui voulait déjà construire son vaisseau spatial. J'ai découvert que c'était lenticulaire, évidemment, parce que bouger dans toutes les directions, il ne faut pas que ça soit une fusée, parce qu'elle se briserait par la vitesse. Donc en fait, pour faire des coudes comme ça, à l'intérieur, ça ne dérange rien. Ça, on l'avait dit, et il avait proposé sa maquette à la reine d'Angleterre, qui n'en a pas voulu parce qu'ils l'ont déjà, quoi. Et donc en réalité, ils ont recopié les plans au mercure rouge, parce que Hans Kammler, quand il a refait les cloches runiques à lévitation par aspiration au mercure rouge, c'était la technique des anciens. Et on dit, j'ai lu sur une revue qui est très intéressante, parce qu'il parlait du peuple de la pyramide du serpent à plumes, qu'on a découvert ce mercure, mais que le peuple utilisait le mercure rouge. On ne sait même pas trop pourquoi, mais ça m'a épaté, parce que je sais que Hans Kammler l'a fait. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on fait Hans Kammler, ils ont recopié. Et pour te dire l'histoire dont tu m'as parlé du U-boat qui a été retrouvé avec le mercure, il y a une autre histoire de l'historien James Robert qui dit que des U-boats se donnaient rendez-vous avec des collaborateurs japonais qui en sous-marin rejoignaient des U-boats pour apportant de l'or pour un échange de technologie en pleine mer. Et on a sorti un engin qui est parti à la verticale, qui a été remonté, il était en kit, il a été remonté et il a éclaté à un moment dans le ciel. Et ça, c'était la super technologie qui était réédifiée, mais il y avait encore des problèmes. Et après, ça s'est réarrangé, comme le dit Randy Kramer. Après, les familles de notre époque se sont rangées aux côtés des nazis qui, eux, augmentaient cette technologie à un niveau incroyable. Et ce consortium clandestin est maintenant, depuis longtemps, sur la Lune, Mars, etc. C'est ce que j'ai découvert là. Écoute, justement, alors quel est le but de ces familles? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment cette guerre en arrière-plan se découle? Et quels sont les éléments qui te permettent d'affirmer tout ça, finalement? Le problème, j'ai eu la chance de voir ces disques volants tout au long de mes années petits, à l'adolescent, à l'âge adulte. J'ai eu la chance de voir ces engins. Et j'ai pu voir que ils n'échangent pas vraiment, ils font semblant un peu d'échanger pour se montrer, c'est-à-dire c'est une vitrine d'une certaine manière, et pour impressionner, parce qu'il faut retourner au cap, style les 12 dieux de l'Olympe, où il faut commencer à aduler, et après c'est dans des écrits, et puis il y a l'ufologie, mais j'ai appris malheureusement que l'ufologie, depuis les années 50 en fait, le domaine de l'ufologie a été complètement
infesté par les services de renseignement. Infiltré. On pourrait dire que c'est une guerre où il y a plein de gens qui étaient contactés, qui ont été tués. 20 cas en France où certains ont repris le dossier OVNI qui ont été défenestrés. René Cousinet, il a été tué après avoir déclaré... Oui, alors René Cousinet, qui était sans doute un ami de Lindbergh. Oui, c'est ça. Lui-même un ami de Tesla. C'est ça. Apparemment. Et puis en plus, Lindbergh était au... je pense, en relation avec quelques Allemands qui devaient... Voilà. Toujours est-il que si un ingénieur comme Cousinet, qui était un des monstres de l'aéronautique en France, se met brutalement à vouloir faire une soucoupe en prétendant qu'elle va aller à tant de milliers de kilomètres, etc., etc., et sans moteur de, enfin sans mode de propulsion extérieure apparent, c'est que ce gars-là, c'était un type particulièrement sérieux. Et ce n'était pas le genre à faire des soucoupes volantes pour s'amuser. C'est ça. Après, malheureusement, il est mort 2 ans après avoir fait cet article sur Paris Match. C'est ça. Il avait dit qu'il ferait le prototype de 30 mètres de diamètre pour un équipage de 8 hommes, de 8 passagers. Et il avait déclaré qu'il le ferait en 9 mois. 5 mois après, il est mort après cette déclaration à Paris Match. Il ne devait pas se faire partie des familles, lui. Non, là... Je pense... Ah oui, ce qui est curieux, c'est que ça m'a renvoyé à Zecharia Sitchin, avec ce qu'il développe comme étant les 12 dieux en Sumérie, qu'on retrouve après en Égypte, ces fameux 12 dieux, qu'on retrouve en Grèce, qu'on retrouve ensuite chez les hommes politiques d'aujourd'hui, les fameux 12. Fameux 12, mais en réalité, qui sont 13. Hein, oui. Parce qu'on retrouve les 13 étoiles sur le billet du dollar américain. Mmh. Hein, oui, oui, tout à fait. C'est ça. Toujours 13 lignées. Oui, et c'est curieux parce que Serge Hutin parle de quelque chose qui s'est passé en Turquie, une réunion mystérieuse d'une loge secrète en Turquie. Je ne sais plus si c'est Izmir ou quelque chose comme ça. Ils descendent dans des couloirs, ils se rejoignent. Et il y a 12 sièges le long d'une table. 12 sièges sculptés, magnifiques, baroques, avec des pyramides comme éclairage, mais à partir de rien. Il n'y a pas d'éclairage d'ampoule, c'est un éclairage inconnu. Mm-hmm. Et là, à l'extrémité de la table, il y a un siège, le 13e est géant. D'accord, très intéressant. C'est intéressant, c'est la Gartha, ça. Alors, tu me disais aussi, moi, ça m'intéresse beaucoup, que tu nous parles un peu de... Parce que tu as parlé de ces lignées avec le petit doigt qui est une déformation, une malformation, mais tu parlais également de documents au Vatican qui parlaient d'être vraiment là encore plus... J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ces corps. Alors, et des éléments que tu possèdes qui permettent d'affirmer que ça existe. Alors, je vais d'abord parler, avant de parler de ça, je parle de von Liebensfeld, qu'Hitler a connu quand il était jeune, et qui a fondé une société secrète qui s'appelle l'Ordre du Temple Oriental, opposant la race des héros ariens blonds aux yeux bleus, chef-d'œuvre donc, il dit chef-d'œuvre à l'image des dieux, doté d'organes électriques, de stations de force et d'émissions. C'était donc, pour moi, ça avait un rapport avec la série Les Envahisseurs qui se régénèrent dans des stations de force appelées tubes régénérateurs. Ces tubes régénérateurs existent, ils ont une signature, c'est Gianni Dotto, un pilote de chasse qui chassait les nazis. Curieusement, ça rejoint Andrew McIntyre, qui est le pilier, le réalisateur de la série Les Envahisseurs, qui lui-même pilotait un bombardier et dont Roy Thinnes m'a parlé au téléphone en disant qu'il avait été suivi par des disques volants géants de couleur sombre. Donc il y avait en arrière-plan une guerre secrète pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça n'a pas été dit. Je pense que la Deuxième Guerre mondiale est un paravent pour couvrir le moteur antigravité et les différents décollages verticaux qui ont eu lieu dans des bases ou alors dans la forêt noire ou au Tyrol qui décollaient verticalement et chassaient des avions. On appelle des Foo Fighters de ce qui est petit. Un paravent, Pierre, c'est quand même un peu vide, c'est quand même plusieurs millions de morts, etc. C'est un paravent qui était un peu cher. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul objectif. J'appelle paravent quelque chose qui est criminel, c'est-à-dire que par détournement d'informations, si un consortium lié aux nazis de la pure lignée viking qui ont le petit doigt qui s'écarte, il faut bien comprendre que la technologie qui a été employée est mise en marche pour un nouvel ordre mondial futur, d'accord, était pressant et que l'opération Paperclip qui a découlé de tout ça était déjà préparée depuis 1941 jusqu'à 1945. Ce n'est pas un hasard. Oui, ça fait partie d'un plan d'ensemble
ça fait partie d'un agenda qui devrait nous mener vers le nouvel ordre mondial de 1000 ans. Oui, c'est, pas, grosso modo, c'est en fait l'ex-ordre nouveau d'Adolf Hitler. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait sur la façon qu'a géré la fin de la guerre Adolf Hitler. Ça n'est pas ce que racontent les livres d'histoire. Adolf Hitler, il y avait un agenda, comme tu dis, et il était pressant de maquiller, c'est-à-dire il y a eu la guerre 14-18, et à la fin, M.K. Jessop, c'est-à-dire l'astrophysicien M.K. Jessop, a dit à son ami Valentine, l'océanographe, que Ivan Tess Anderson connaissait, les ovnis au fond des mers, là, Ivan Tess Anderson avait publié un livre dans les années 60, 70, et ce qu'il y a, c'est que il y a, ce qui était maîtrisé chez cette race aryenne au petit doigt raidi, c'est qu'il fallait se dépêcher, en créant des guerres, de couvrir à chaque fois. Et M.K. Jessop a dit qu'en 1918, il a dit à Valentine, qu'il y avait déjà eu le moteur à énergie ionique. L'énergie ionique, c'est pour voyager à travers les étoiles. Mmh. Et ils ont tous été, anéantis, quoi. Ceux qui ont créé ce moteur ont été stoppés et on n'a pas connu ce moteur à énergie ionique. Et ensuite, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'opération Paperclip, eux mettent en marche le moteur à antigravité. C'est lié pour moi. Ces guerres, c'est des paravents qui lient ça. Mais en même temps, ce moteur, c'est juste un élément de l'ordre mondial qui est en train de nous arriver dessus. Oui. Il devrait durer 1000 ans. C'est un des éléments clés d'un grand calendrier, d'un grand agenda qui dispose de plusieurs étapes et de plusieurs objectifs. C'est ça, hein, c'est ça, tout est partagé. Et puis alors, revenons sur cette affaire de cœur. Quand j'ai lu ce rapport-là, ce document de von Liebensfeld, là, d'une race d'hyperboréens dotée d'organes électriques, ça m'a rappelé les envahisseurs qui se régénèrent et qui ont un corps artificiel qui n'est ni chair ni sang. Et curieusement, il y a un rapport dont parle Andrew Thomas, le célèbre chercheur qui a fait toutes les bibliothèques du monde, les plus grandes bibliothèques, celles du Vatican, au Tibet, au Pentagone, etc. Il a allé lire des tas de livres et il mentionne dans son livre « Shambhala, oasis de lumière » aux éditions Robert Laffont, un vieux livre des années 60-70. Donc il dit, il est écrivain et chercheur, hein, Andrew Thomas, que des documents au Vatican attestent de l'existence dans le volcan le mont Kunlun, donc d'une race qui possède un corps artificiel qui n'a ni chair ni sang et composé d'une matière atomique cristallisée. Alors là, j'ai tout de suite tilté quand j'ai lu ça. Ça renvoie à Liebensfeld qui dit que des hyperboréens seraient dotés d'organes électriques. Donc là, il y a une sorte de correspondance entre des hommes, des sortes de surhommes qui produisent de l'électricité, qui ont des chars, c'est-à-dire qui naviguent dans des vaisseaux électromagnétiques de type Tesla, mais Tesla ne voulait que reconstruire quelque chose dont la pure lignée nazie utilisait l'éclair, c'est-à-dire la rune Sowelou, qui faisait que c'était sur le col de leur chemise, de leur costume, etc., des SS. Oui, et en fait, là, on a la récupération d'un ancien savoir, à savoir le domaine de l'électricité, comme Nikola Tesla pouvait tenir entre ses mains des boules de foudre, les faire rouler sur son costume, sans jamais être désintégré. D'ailleurs, il disait qu'il pouvait, avec ce pouvoir, guérir le cancer. Il suffisait qu'il y ait ces bobines qui créaient un maillage électromagnétique autour du corps, afin de ne pas être atteint directement par la foudre à 30 000, 50 000 volts. Et il guérissait, il pouvait guérir le cancer. Et justement, les anneaux d'auto, je répète donc, qui ressemblent au régénérateur des envahisseurs, avaient la faculté de guérir instantanément le cancer. Et il a été enlevé à la fin des années 60, certainement par une élite qui voulait se l'approprier, qui guérit, qui se rallonge sa vie grâce à ces anneaux d'auto. Donc, qui sont les régénérateurs des envahisseurs. Et alors, ces corps, ce seraient ces lignées, ce seraient quelques-unes de ces lignées de dieux, de faux dieux. Alors, si des hyperboréens étaient capables de se coupler à des organes de type, des dispositifs électriques, c'est qu'il y a une connaissance de ça pour attirer, plier le champ magnétique, puisque la voiture de Nikola Tesla, on prend un exemple, des petites boîtes noires mystérieuses sont vues. Je n'ai pas parlé de ces boîtes noires. Mais avant ça, par rapport à ces corps électriques,
Est-ce que tu penses que c'est un lien avec, par exemple, cette vague, cette nouvelle philosophie qui existe depuis maintenant une trentaine d'années, du transhumanisme, etc. Est-ce que tu crois que ça peut être relié en... Alors oui, je parle du transhumanisme au niveau physique, tel que les vrais chercheurs avaient conçu le transhumanisme à une certaine époque et qui amène à la méta-humanité. C'est-à-dire que des accélérateurs de particules, des stations de force, donc comme ces hyperboréens cités par von Lebensfeld, c'est-à-dire des hyperboréens couplés, donc comme je le répète encore une fois, à des organes électriques, mais en même temps des stations de force et d'émissions. Donc là, c'est important ce document parce que non seulement il valide ce que Andrew Thomas a découvert aussi avec des corps artificiels. Il a découvert ça, c'est le texte du Vatican, c'est ça. C'est ça. Et en plus, qui n'ont ni chair ni sang, et ça m'a rappelé les envahisseurs, puisqu'il s'est toujours dit, ils n'ont ni chair ni sang. Oui, c'est pour ça qu'une fois mort, ils se désintègrent. Ils se désintègrent. En plus, Andrew Thomas pose la question, est-ce une matière atomique cristallisée dont ils sont conçus, quoi. Et alors là, ça m'a éclaté, parce qu'on a l'impression qu'on tire sur un type qui a une matière atomique cristallisée, puis il se désintègre si on le tue, quoi. Enfin, ça m'a fait penser à ça. Alors, ces boîtes noires, là, c'est très intéressant, parce que tu parles de ces boîtes noires, mais je sais qu'il y a 2-3 numéros, on a fait dans Top Secret un dossier sur les voyageurs du temps, et notamment on parlait du 11 septembre, et on parlait notamment d'un documentaire, fiction, qui annonçait bien le 11 septembre, quelques mois avant qu'il ne se produise. Et il était question à un moment de commando qui rentrait dans une pièce et qui installait une sorte de boîte noire. Ah, c'est intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que ça me fait bien penser à la boîte noire dont tu parles. Et j'aimerais que tu développes certains détails, puisque cette boîte noire, on va la retrouver sur plusieurs milliers d'années. C'est ça. Et je ne le savais pas. La recherche que j'ai faite, c'est grâce à Tesla, plutôt, parce que lui, il posait une petite boîte, de pas plus gros qu'un poste radio, dans le moteur de sa voiture, qui n'était ni à essence, c'était électrique. Il mettait cette boîte noire et une antenne d'1,83 m à l'arrière de sa Pierce Roe. Et la voiture avançait, elle pouvait aller jusqu'à 200 km/h, et son neveu, c'était son assistant qu'on appelait son neveu, Savo, même quand la voiture avait démarré, on ne savait pas qu'elle avait démarré, c'était comme un ovni, il fallait un compteur électrique pour savoir si elle avait démarré, une sorte d'énergie tachyonique, parce que Tesla maîtrisait les tachyons. Donc ce qu'il y a, c'est que il faisait démarrer sa voiture, il roulait à plus de 100 km à travers la campagne, et il avait révélé à son neveu que cette voiture aurait pu tourner indéfiniment autour de la Terre sans s'arrêter, puisque c'était l'énergie libre qui pliait le champ magnétique par l'antenne et cette boîte mystérieuse. Cette boîte mystérieuse, il y a un film aussi qui parle d'une boîte mystérieuse qui est en lien aussi avec des... je crois que là, c'était des extraterrestres, c'est le film The Box. Ah, j'ai vu 2 fois ce film étrange, et qui parle toujours de la planète Mars, ça n'a pas remarqué. Tout le temps, il est question à la radio, on entend à la télévision, quand les personnages se baladent partout, tout le temps de la planète Mars, tout le temps. Et ce qui m'a étonné, parce qu'il y a un code là. Oui, c'est pour ça que je te parle de ce film. Ah oui, il y a un code. Moi-même, j'ai découvert un mystère de la planète Mars grâce à tout ça, comme j'en avais déjà parlé de... Restons sur la boîte noire. Disons la boîte noire, voilà. Il y a aussi un chercheur iranien qui a fait pas mal parler de lui ces dernières années. Je ne me souviens plus de son nom, j'ai un problème de mémoire sur les noms, j'arrive pas à me souvenir exactement de son nom, mais en tout cas, lui également a présenté lors de conférences une boîte, je sais plus si elle est noire, si elle est, de quelle couleur elle est, mais à travers cette boîte, il arrive à faire aussi des prodiges. Évidemment, c'est très lié à l'énergie libre. Est-ce que tu en as entendu parler de ce chercheur iranien? Alors c'est marrant ce que tu me dis, moi j'ai pas entendu parler de ce chercheur iranien. Mais j'ai entendu parler d'un Japonais qui serait à l'heure actuelle immortel grâce à une petite pierre noire. Donc j'ai associé ça à la pierre de Shintamani, une supermagnétite qui génère un champ, un champ de force. Donc champ de force, station de force, avec les hyperboréens dotés d'organes électriques. Alors cette boîte noire, alors raconte. Alors, il est dit par Savo, enfin c'est pas Savo, hein, je ne me rappelle plus qui a perçu tout ça, et l'auteur dit, en parlant de Savo et de Tesla, que la boîte est composée de tubes à vide, dont 2 ou 3 ont été identifiés, mais le reste non.
Et en réalité, donc, il y a une attache avec ça. Mais Tesla a dit à son neveu Savo, tout ça vient de l'éther, du bout des lèvres. Il a dit tout, mais faut pas le dire, hein, puisque déjà Otis Carr qui parlait de l'éther, William Reich, Searle et tous ces gens-là, automatiquement, avec une technologie, atteignent l'éther. Je dirais l'éther, carrément le domaine là où on meurt, mais là où on vit avec ces engins. Curieusement, on ne meurt pas. Et la petite boîte, voilà, il y a une suite à la petite boîte, puisqu'on retrouve cette petite boîte dans le livre de Charles Berlitz, Philadelphia Experiment, où un homme est devant l'US Navy, les membres de l'US Navy, et dit, le camouflage, messieurs, le camouflage, laissez-moi vous montrer le super camouflage. Et on le voit partir sur l'Isle Ridge avec une petite boîte noire entre les mains. Mmh. Alors ensuite, Rose C., qui voit un disque volant atterrir avec des géants type hindou, le chef possède une boîte noire et le véhicule est en sustentation, le disque volant dans la nuit est en sustentation, et elle voit une boîte noire avec plusieurs petits boutons dessus et encore une boîte noire attachée par une courroie sur la poitrine. Donc j'en ai déduit que la puissance inimaginable de ces engins est conduite par une petite boîte noire, et je me suis même demandé si la petite boîte noire n'est pas constituée de pierres de Chintamani à champ de force. Bon, ensuite, Gotha Carlsson, en 1948, en Suède, qui voit un disque posé émettant une leurre et un champ de force. Et il voit les pilotes qui ressemblent un peu légèrement aux envahisseurs, qui ont une combinaison, tout ça, et il voit le chef qui possède sur sa poitrine, attaché une courroie, une boîte noire. Et quand il met sa lampe, elle est grillée tout de suite. La lampe ne marche plus. Et il dit qu'il y avait une odeur d'ozone. Donc c'était le champ de force, hein, qui était autour. Cette boîte noire, elle a l'air d'être liée au domaine des dieux. Oui. Elle a l'air de pouvoir également ouvrir sur d'autres dimensions, finalement. C'est ça. Hein ça fait penser, d'ailleurs, puisqu'on est... Tu as l'habitude de faire des références à des films. Il y a toute une série de films Hellraiser. Je ne sais pas si tu te souviens. Cette boîte qui... C'est un cube qui commence à s'ouvrir. Et quand il s'ouvre, il ouvre des portes vers d'autres dimensions, plutôt dans des dimensions de type l'enfer de Dante. Quoi. Tu ne connais pas ce film ? Ah non, ça m'intéresserait de le voir. Ouais. Alors, on retrouve cette boîte aussi en effigie sur des fresques et sur des sculptures. C'est par hasard, une fois que j'avais quasiment terminé le deuxième tome, que j'ai reparlé parce que j'en parle dans le premier tome, de ces mystérieuses boîtes noires. Ce qui est curieux, c'est qu'il faut quand même que je parle de quelque chose qui se passe dans l'invasion socioculturelle, comme je te l'ai dit, dans une bande dessinée de Batman et Robin contre le Joker. On voit à la première page la Batmobile qui roule sous une lune géante, qui fait référence perpétuellement à la lune, c'est-à-dire à l'atterrissage sur la lune. Le Joker vole à un scientifique une boîte noire de la taille d'un poste comme celle de Tesla, de la taille d'un poste radio, pas plus grosse qu'un poste radio. Et quand il appuie sur le bouton, tout le monde se met à voler dans les airs par un champ antigravité. Donc en fait, les concepteurs de cette bande dessinée, j'ai senti que non seulement ils parlent perpétuellement de la Lune, où Batman et Robin sont vaincus par le Joker à cause de cette boîte à lévitation magnétique, et qu'en fait, ils se retrouvent sur la Lune, ils croient que c'est la Lune, le Joker fait un cinéma, leur faisant croire qu'ils sont prisonniers de la Lune, qu'ils ne pourront jamais en sortir pour rester dans une pièce ad vitam, et en fait, ils vont découvrir par des petits détails sur la Lune que ce n'est pas la Lune, mais cette référence à la Lune démontre, en fait, qu'en arrière-plan, cette boîte noire est utilisée pour l'atterrissage sur la Lune depuis les années 50, depuis que Tesla a utilisé sa boîte noire, mais ensuite pour les objets volants. Curieusement, il avait une antenne à l'arrière de sa voiture avec la boîte noire. Et on a vu des objets en forme de cloche de type Hans Kammler qui avaient une antenne ou deux. Mm-hmm. Et quand Gotha Carlsson a vu la boîte noire sur la poitrine du chef, dit extraterrestre entre guillemets, eh bien, il y avait une antenne sur la cloche qui générait un champ de force. D'accord. Donc ça attire... Le champ magnétique, ça le plie et on est rempli du champ de force comme la voiture de Tesla et on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai appris qu'un corps qui baigne, qui est immergé dans un super champ, n'a plus le même âge que ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire il ne vieillit pas. La déesse Ishtar Alors on en vient à ça. En 1934, une équipe archéologique, alors j'avais le nom, là je ne sais plus le nom, c'est pas grave. Découvre une statue de la déesse Ishtar hyper réaliste, c'est-à-dire même Zacharia Sitchin dit que quand ils ont photographié, quand ils ont pris la statue à côté des hommes, les hommes paraissent une petite effigie, rien du tout, plat, à côté de la statue qui est tridimensionnelle à outrance.
Et à l'arrière, d'abord, elle est vêtue d'une sorte de manteau un peu conique, donc qui ressemble un peu à la Vierge Marie, c'est la déesse Ishtar. Et elle a un casque, et une autre qui a été découverte aussi dans ces années-là, en 1934, montre des écouteurs hein, plats. Et derrière, on voit une antenne, donc tout le long de la colonne vertébrale, qui se termine par une petite boîte noire, c'est dans l'escalier céleste que c'est dit par Zécharie, une petite boîte noire attachée par une sangle, comme ceux qui ont été vus, Gotha Carlson, par une sangle mais sur la poitrine. Là, elle est attachée au cou de la déesse Ishtar. C'est quand même très intriguant de voir ça. Ah, j'ai pensé à deux choses. Soit la boîte noire ouvre sur des dimensions et crée... M.K. Jessop avait dit qu'un super champ magnétique altère la réalité. Et il y a des mondes entre les mondes, à l'intérieur des mondes. Donc là, je pense qu'on retourne au pôle, là, avec une certaine science hyperboréenne qui, justement, était utilisée. Et on en vient à une certaine montagne noire qui s'appelle Altissima Negra, c'est-à-dire, c'est une montagne, donc, qui est décrite sur une carte de Mercator, et on voit une montagne noire. Et je pense que cette montagne noire existe physiquement, mais qu'elle altère la réalité par un super champ. C'est pour ça que les boussoles, et qu'on n'a pas le droit de le survoler en avion, parce qu'en en fait, on s'en va dans d'autres dimensions. Et justement, j'ai un rapport de ça que je vais pouvoir te dire à propos de ça. Il s'agit de John Dee. Ingrid Molina, donc une chercheuse, nous parle. Je l'avais trouvé avant, je ne connaissais pas Ingrid Molina, ça a été publié plus tard, j'avais déjà dit dans. Donc au centre du pôle Nord trône un rocher noir élevé appelé Rupes Nigra I Altissima. Donc c'est une montagne noire. Je pense que c'est ce dont on parle, des montagnes magnétiques qui ont été décrites au Yukon, etc., dans différents livres, et ça dévie les boussoles. Ce n'est pas qu'au pôle que les boussoles s'est déviées. Dans le monde, ces montagnes existent un peu partout. Elles sont certainement utilisées. Elle dit que c'est même dit sur les cartes, parce qu'avec ma compagne, on a découvert une vraie carte de Mercator dans un gros livre, sur les cartes du monde, et dessiné. Et on dit que les descendants du roi Arthur allaient au nord du monde échanger ce qu'on appelle de la marchandise. On ne sait pas, ils passaient par une espèce de vortex, et on ne sait pas où ils allaient. Et c'est dit en latin, et on a demandé à un professeur de latin de nous traduire cette carte, et on a été étonnés. Alors ça, on le découvre dans le deuxième tome, on découvrira cette carte avec... Parce que j'ai vu que cette légende a été changée à la FNAC. Ce n'est plus la même légende. On ne veut pas savoir ça, quoi. Donc il y a une déformation au pôle de quelque chose où les bateaux, les descendants du roi Arthur allaient en bateau et trouvaient une autre terre. Alors je vais vous dire exactement ce qui se passe. Oui, en fait, pour traduire ce que tu es en train de dire, c'est que aux endroits où se trouvent ces montagnes noires, notre réalité perd un peu de son étanchéité. C'est ça. Et les frontières entre les dimensions, les différentes dimensions de la matrice dans laquelle nous nous trouvons, sont plus étanches. Et donc, on peut entrer, sortir, ou voir entrer des entités, etc., qui arriveraient d'autres dimensions, c'est ça ? Alors, c'est ça. Je vais te le dire. Vas-y, dis-le. Je vais te le dire. Hein. Donc, je commence par la montagne noire, l'Altissima Negra. Donc, il se passe que la déformation fait qu'on va dans d'autres temps. Alors, le secret du pôle arctique consiste en ceci. Au cours des années 1500, c'est-à-dire au temps de la Renaissance, quelque chose, un savoir donc, s'est passé, et c'est Jacques Berger qui a mis dans les livres maudits cette connaissance particulière au pôle, qui n'est pas une légende, qui est réelle, et je vais t'expliquer pourquoi. Le mathématicien et chercheur John Dino ramena en Angleterre deux globes de Mercator qu'il avait trouvés à Louvain. Voilà, il dit ceci, donc, que la projection de Mercator n'est qu'une première approximation. Selon lui, la Terre n'est pas exactement ronde, ou tout au moins, elle est composée de plusieurs sphères superposées, alignées le long d'une autre dimension. Entre ces sphères, il y aurait des points, ou plutôt des surfaces de communication, et c'est ainsi que le Groenland s'étend à l'infini sur d'autres terres que sur la nôtre. C'est pourquoi, Dee insiste dans plusieurs suppliques à la reine Élisabeth, il serait bon,
que l'Angleterre s'empara du Groenland de façon à avoir entre les mains la porte des autres mondes. Ça veut dire que la Terre, au-delà, pour moi, de ce que j'ai localisé comme étant la montagne noire, donc appelée Altissima Negra, déforme à tel point que la Terre s'en va, comme si c'était une Terre plate, continue, comme il dit, le Groenland s'étend à l'infini sur d'autres terres que la nôtre. C'est la suprême connaissance, certainement, que l'amiral Byrd dont l'amiral Byrd avait entendu parler, et que nous, on nous cache en nous parlant toujours de la Terre creuse. Une Terre creuse, oui. En fait, il y a la Terre creuse. Je ne nie pas la Terre creuse avec ce que dit Jules Verne, avec l'océan intérieur, etc., ou même intérieur. Ça peut être juste une projection d'une autre réalité. C'est ça. L'autre réalité, pour moi, est plus impressionnante parce qu'elle part de tous les travaux de Maurice Kaltjesop qui disait qu'un superchamp déforme la réalité et qu'il y a des mondes à l'intérieur des mondes. Ça m'intéresse beaucoup avec plus. Avec des zones sur les planètes, sur certaines planètes, des zones non étanches. C'est ça. Où sans même s'en rendre compte, on passe d'une dimension à une autre. C'est ça. Et donc on rentre dans de nouvelles terres. Voilà. La nouvelle terre, pour nous, si on a une boîte comme ça, on accède par le pôle sans mourir de froid. On a un super champ autour de soi, on ne brûle pas par le froid, on ne gèle pas, et on va directement sur la route droite qui mène à ces interdimensions sidérales qui certainement sont connectées au pôle des autres planètes, c'est-à-dire la Lune. Instantanément, la Lune semble plus proche, Mars, Vénus, et c'est là qu'est le secret des ovnis, c'est-à-dire tu construis un ovni comme René Cousinet voulait le faire, tu as ta machine à énergie libre selon les plans de Tesla qui voulait construire son vaisseau, tu y vas. Tu passes à travers tout droit et tu vois les autres habitants qui sont à partir des pôles. Tu viens par les pôles et là, ce sont les portails. Et c'est ce que dit Barbara Marcignac, qu'on doit rentrer par des portails où les êtres sont vivants et pas des planètes mortes. Mmh. Et c'est là. Alors, tu sais qu'en ce moment, sur Internet, il y a une grande bagarre entre la théorie de la Terre plate. Tu sais qu'en ce moment, énormément de gens se disputent autour de cette question, oui. Terre creuse, Terre sphérique, Terre plate. Mm. Je pense que ce que tu es en train de nous dire là, avec les dimensions non étanches qui permettent de passer d'une dimension à une autre, pourrait finalement réconcilier tout le monde. Absolument, parce qu'il faut savoir aussi que les dieux venaient toujours de là où soufflait Borée, le nord. On nous dit toujours de retrouver le nord dans la recherche, la quête, quoi. Le pôle, comme le roi Arthur, les chevaliers, et les descendants, dans sur la carte de Mercator avec l'Altissima Negra. Donc, en fait, on a le plan évolutif, c'est-à-dire à la verticale et plus linéaire. C'est-à-dire, on est un être qui est un petit cosmos, c'est-à-dire, on a le pôle nord, le pôle sud, et le plexus solaire, on est la porte. Donc en fait, on conserve l'énergie millénaire en compression. Il y a trois exemples dans la nature qui nous confirment mes dires, c'est-à-dire, on parle d'une énergie en compression. Donc la chenille qui devient papillon, pas ce qu'on appelle la chrysalide. C'est une énergie qui travaille énormément, la chrysalide. Et ça, c'est en compression, on le voit bien. Et c'est pareil pour le carbone qui va devenir du diamant par compression dans la chaleur des volcans. Or, ce qui éjecte le morceau de charbon va devenir... Mais ça, c'est la conscience minérale. Nous sommes du carbone. Si par compression, supercompression, une énergie sidérale comme des superchamps nous permettent par compression de retrouver la super énergie qui était scellée comme du béton et qui ne coulait plus, on peut refaire couler cette suprême énergie et devenir, c'est-à-dire l'être suprême. On est une dualité, on est petit, grand, fini, infini, mortel, immortel, créature, créateur, au même moment, dans différentes dimensions. Et ici, nous sommes donc des êtres intersidéraux. Et c'est ça que nous cachent les gouvernants. Ils le savent, mais ils seraient jugés. Si on découvrait tout à coup le secret des dieux, on entrerait dans le secret des dieux et on arriverait à cette métamorphose qui n'est plus scellée. Le secret n'est plus scellé maintenant. Il est ouvert un peu comme une lettre qui est frappée du sceau. On l'ouvre et ça y est, le secret est décellé. On décrypte notre être comme jamais les religieux au Vatican n'ont voulu le faire puisqu'ils voulaient s'approprier le secret en faisant tout le temps des évangiles. Mais en réalité, on n'était pas à la une de l'information, à l'avant-garde. Et cette avant-garde, c'est le champ magnétique de la Terre. Le soleil, par réflexion, envoie ses rayons qui se transforme en chaleur, en lumière. Nous sommes aussi un soleil, mais nous ne l'avons pas allumé. Et c'est pour ça qu'on meurt de cristal, qu'on meurt. Et je peux te raconter une histoire, ça va faire plaisir à une de mes amies, là, qui est une cantatrice. Ce n'est pas la Castafiore, mais c'est presque pareil. Je ne m'appelle pas Tintin, mais pourtant je connais bien une Castafiore. Disons qu'il a chanté dans tous les opéras du monde.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle connaissait, elle a un ami, membre du KGB, ex-membre du KGB, qui, le KGB l'avait envoyé au Tibet. Et au Tibet, il connaissait ce qu'il devait aller chercher, des papyrus, enfin des manuscrits. Il parle 14 langues, c'est un génie, il a une soixantaine d'années maintenant, mais je ne cite pas son nom parce qu'il ne serait pas content. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il va au Tibet, il va dans un monastère, il sait ce qu'il veut, mais le lama lui dit, nous on ne connaît rien, on ne parle pas les vieux dialectes tibétains, il y a des tas de dialectes dérivés. Il prend les documents que Staline lui avait demandé de prendre, donc certainement le bureau des affaires du diable, le département du diable pour tout ce qui est psy et super psy et parapsychologique. Et donc en fait, il prend les documents, il a dit à mon ami, j'ai trouvé tout ce que j'ai voulu, je pouvais lire, c'était incroyable ce que j'ai découvert. Mais par contre, il a fait une révélation à mon ami, et je peux vous dire cette révélation, c'est que cet homme rencontre un étranger dans un monastère, et cet étranger lui dit qu'il a 4800 ans et il continue de se régénérer. Et à quoi ça m'a fait penser, ça? Ça m'a fait penser aux petits organismes qu'on a trouvés dans l'eau, des petites méduses qui se régénèrent constamment et ont l'immortalité relative. Donc je pense que c'est lié, et maintenant ils font des recherches sur l'immortalité relative, et donc en fait, je pense que c'est lié, c'est-à-dire que l'énergie libre mène à la méta-humanité, celle qu'on voit dans les bandes dessinées comme Superman, les agents tonnerres, et d'autres héros comme les X-Men. Je me souviens très bien d'une anecdote que tu m'avais racontée à l'époque au sujet d'un autre ami qui était chargé par la NASA d'observer la Lune. Tout à fait. Hein, et donc tu avais eu l'occasion d'aller dans son labo. Absolument. Et de voir un canon laser, une sorte de télescope. Absolument inouï. Absolument inouï et qui permettait de voir sur la Lune comme si on y était quasiment. C'est ça. Est-ce que ce serait pas justement pour rebondir sur ce que tu racontais avec les boîtes noires et les communications interdimensionnelles, est-ce que c'était pas une lunette qui permettait de voir à travers d'autres dimensions? J'ai compris, d'ailleurs je vais te lire quelque chose, ça vient de Guy Breton. Guy Breton dans Histoire magique et Histoire de France. Guy Breton et Louis Powells, qui ont écrit quelque chose qui m'a édifié dans le sens du canon laser. Vous vous souvenez qu'on voit un canon laser, tu te souviens qu'on voit un canon laser dans La Mutation, l'épisode 3 des Envahisseurs, sous la soucoupe, qui désintègre une Jeep. Oui. Eh bien, ce canon laser, on pourrait penser, on peut même avancer que c'est le fameux KSK Donai que les nazis avaient, par les études que Nicolas avait fait sur le canon Téléforce qu'il avait vendu à l'armée américaine en 1943, juste avant de mourir, quoi. Et ce qui est très curieux, c'est que quand on voit dans un épisode qui s'appelle Contre-attaque, David Vincent avec dans la main un canon, je dois envoyer les photos, les spires qu'on voit à travers le verre du canon et les tubes en alu ou en acier, en métal, il a un canon assez court. Celui que j'ai vu fait au moins 4 mètres de long chez Weber. Et celui qu'on voit dans Goldfinger, c'est le même quasiment que j'ai vu moi, c'est-à-dire le même canon qu'il avait remonté en kit, parce que c'était un génie, il lui envoyait tout en kit, l'observatoire à Jacques Weber, et il me dit, voilà, il ricoche sur la Lune, sur le cratère Tycho, je vois des engins émettant une lueur rouge, pulsante, qui entrent et sortent du cratère Tycho. Et donc, normalement, il dit, je n'ai pas le droit de le dire, c'est la NASA qui m'a tout envoyé, tout ça. Et curieusement, dans Goldfinger, il dit aussi, si tu regardes bien Goldfinger, quand il veut tuer James Bond qui est attaché sur une table, il dit « ce canon laser ricoche sur la Lune » et moi, j'en savais rien. Moi, c'est Jacques Weber qui me l'avait dit, je n'avais même pas vu Goldfinger à l'époque. Et c'est incroyable, j'ai fait la relation vite fait, bien fait, que même le canon des envahisseurs qu'on voit quand il prend le canon, il tue un envahisseur avec le rayon laser, il désintègre un envahisseur, David Vincent, c'est la même chose que j'ai vue. C'est incroyable parce que moi, je l'avais décrit à mes amis, il y avait des spires dedans, exactement ce qu'on voit dans Goldfinger, dans les envahisseurs. Par contre, le canon Donai de ce qu'on voit dans David Vincent, un canon un peu triangulaire, mais bon, c'est de toute façon la même chose quand même, hein, d'une certaine manière. Et je pense qu'il faut que je te dise quelque chose. C'est dans l'histoire, donc, comme j'ai cité tout à l'heure, Magique et l'histoire de France. Louis Powells raconte que des gens désintégrés auraient été atteints par des rayons comparables au laser. Donc ça, c'était dans les années 1860. C'est-à-dire, il commence à dire ça dans les années... Il explique qu'il faudrait penser que ce rayon aurait existé dès 1860, lorsque la comtesse Cornelia a été réduite en cendres.
dans son boudoir, je crois. Enfin, je ne crois pas me tromper en disant que tout à coup, on a trouvé un petit tas de sang dans son boudoir. Elle était complètement désintégrée. Et ce qui est curieux, c'est qu'il dit que ce rayon aurait été ensuite volé par des criminels dont le but nous échappe. Ça ressemble aux envahisseurs. Tout à fait. Alors, tu nous montres bien, là, tu es en train de nous dire que dans les séries, dans les films, on va nous montrer des objets très précis. Donc, en fait, dans certains films, on va nous montrer des faits la projection, en fait, de faits réels de la conquête spatiale ou, en tout cas, d'une guerre qui se déroulerait pour la conquête du monde. Cette guerre, elle se déroule entre familles, si je comprends bien, entre familles qui détiennent les pouvoirs des dieux. Alors, les familles, les clans ont fusionné à partir du moment où l'ordre nazi est venu. C'était un départ, un nouveau départ, une sorte de nouvel ordre. Parce que les familles avaient traîné dans l'ordre du dragon, les familles européennes, par exemple, qui faisaient partie de l'ordre du dragon. J'ai dit que c'était la célérité d'un vaisseau. C'était ce que Mercure démontre avec son caducée de serpent enroulé. C'est la vrille. En fait, c'est pas ce qu'on nous met dans les pharmacies. On nous cache ça d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est la puissance vrille des spires au Mercure. C'est-à-dire Mercure, qui est l'agent, le vif argent, quoi, le Mercure, qui va très très vite, mais son casque a la forme d'une soucoupe volante ailée. Ce qui veut dire que c'est en fait des engins et des peuples qui se déplacent dans des engins volants par le Mercure. Et c'est ce que dit un chercheur dont je parle dans mon livre, là je ne me rappelle plus le nom, mais je le dis dans mes deux livres. Et il dit que c'est... D'ailleurs, il a étudié la soucoupe d'Adamski pour dire ça. Il dit que ce sont des êtres âgés de plusieurs siècles qui commandent ces disques et qui, en fait, utilisent les spires au mercure et qui sont représentés par le caducée de Mercure. Donc, il y a une guerre... entre des gens qui ont l'énergie libre, mais qui n'ont pas atteint la puissance voulue. C'est-à-dire, c'est des degrés, des hiérarchies. Et c'est pour ça que ceux qui sont installés depuis longtemps, comme les 12 dieux de l'Olympe au Mont Olympe, par exemple, ne vont pas donner l'accord. C'est comme René Cousinet, par exemple. Il a été complètement... parce qu'il n'a pas l'or en barre, il n'a pas... Voilà. Tout à fait. Cette énergie libre qui, donc, c'est le Graal. C'est-à-dire que cette énergie libre, elle permet... Évidemment, l'antigravité, l'énergie... rallonger la vie. Et de rallonger la vie. Enfin bref, de devenir des méta-humains, comme tu dis. C'est ça, la méta-humanité. C'est-à-dire qu'on n'a plus... on n'est plus... c'est marrant, parce que Maurice Calgesop avait dit au gouvernement américain, et il est mort dans sa voiture quelques temps après, on le retrouve, Maurice Calgesop, comme figure de science-fiction dans le deuxième épisode des Envahisseurs, qui s'appelle Le Professeur, un astrophysicien réputé. On disait que Maurice Calgesop était un astrophysicien réputé aussi, et qui avait découvert le secret des ovnis. Il l'avait dit à Valentine, et il avait dit qu'il apportait un topo sur le secret des ovnis et le mystère de l'opération Philadelphia. Il a porté le topo, on l'a retrouvé mort dans sa voiture, comme le docteur Lindstrom dans la série Les Envahisseurs, qui meurt dans sa voiture par des hommes en noir, et curieusement, lui, il est mort dans sa voiture, mais garé, quoi, tout bêtement. Tu me parles beaucoup des chercheurs, de chercheurs que tu cites, etc., mais moi, j'aimerais que tu me dises un peu dans ta vie, ces dernières années, parce que tu m'en as parlé quand on avait la possibilité de discuter ensemble, tranquillement, tu m'as parlé de certaines rencontres que tu as pu faire, notamment, tu m'avais parlé également d'un cube bleu. Ah, c'est lié au régénérateur. Absolument. Et il s'est passé quelque chose avec cette... c'était une journaliste qui ne veut pas du tout être citée. Hein, donc, je dis une journaliste et tout. Et en fait, elle faisait un livre sur les régénérateurs. Je ne comprenais pas ce que c'était à l'époque, parce que moi, j'étais toujours sur les régénérateurs de la série Les Envahisseurs. Je n'avais pas encore découvert les régénérateurs de Dotto qui ressemblent complètement à ceux qu'on le voit dans la série Les Envahisseurs. Et elle faisait un livre où ça repoussait, des choses repoussées dans le corps grâce... Et je sais que par un champ magnétique, dans le corps, ça peut repousser justement, grâce à un super champ. On dit que ces régénérateurs de Dotto entraient en lévitation tellement le champ était répulsif à partir du sol et avec l'homme dedans, quoi. Donc, en fait, ça, ils ont été enlevés après de la circulation, parce qu'il ne faut pas confondre ceux qui sont à pulsation électrique
et les réalisateurs à intensité, à forte intensité électrique de 50 000 volts, par exemple, et qu'on n'est pas désintégré quand même. Donc, en fait, c'était ce qui est, dans les années 30, utilisé par Tesla. Ce n'était pas les, les petits régénérateurs à pulsation électropulsée. Et ce n'est pas ça du tout, cette science. Mais qu'est-ce qu'elle te raconte, cette femme? Alors, voilà, cette femme me raconte qu'elle va voir un grand blond qui possède une station de ces engins qui ne sont pas fabriqués sur le terrain même. Ça vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où. Et les gens qui travaillent ne sont pas des gens de la région, c'est pas des gens... Et il y en a quelques-uns qui sont... Pour certainement, il s'est interdit de le savoir, c'est une élite qui a ça. Or, le grand blond avait. Donc, elle m'a décrit que la fille qui a été. Elle a vu la fille aux îles Canaries. Et cette fille, elle m'a dit, c'est comme une beauté venue d'ailleurs. Comme Adamski, Georges Adamski disait. Et elle est, cette fille blonde, qui semblait d'une force magnétique supérieure à la normale, était mariée à un hindou qui avait une entreprise d'électronique. Donc j'ai compris que ce qu'on voit dans Les Envahisseurs est réel dans Vicor. C'est un homme qui possède une entreprise de matériel électronique super développé, quoi, très de haute technologie. Donc en fait, il y a un rapport entre ça et ce qu'elle m'a dit. Et quand je lui ai montré Les Envahisseurs, elle n'a plus voulu aller. Elle m'a dit que c'est dans un grand cube bleu. Voilà, c'est ça. Elle te disait qu'elle allait aller à ce rendez-vous. C'est ça, elle m'avait montré des images de son livre épais et devait faire. C'était un milliardaire, un grand blond aux yeux bleus, milliardaire. D'un mètre quatre... Un bâtiment en pleine campagne. En pleine campagne, c'est et ça. Et qui était sous la forme d'un cube bleu. Un cube bleu, ouais. Et c'était à l'intérieur de ce cube bleu, dans la région dans le sud-est de la France. Je ne sais plus du tout. J'ai demandé à Lara, s'en souvenait plus. Je sais que c'est dans la France. Et en France, et je lui ai demandé plusieurs fois, elle a cherché sur Internet, c'est même pas marqué, alors qu'elle connaissait, je devais aller avec elle même à un moment donné. Et donc moi j'ai regretté de ne pas pouvoir aller, mais c'était quand même peut-être assez dangereux, parce que c'est une élite, on n'a pas le droit nous de savoir que des gens se régénèrent et deviennent jeunes sur 50 ans, à force de se régénérer de 50 ans en 50 ans. Quoi. Ça fait toutes ces histoires d'immortalité, de corps éthérique, on va dire, de corps éthérique via l'énergie libre, etc. Ça fait quand même beaucoup penser aux différentes sphères de dimension, notamment à l'astral. Un petit peu. Alors, l'astral s'est connecté par l'éther dont parlait Nikola Tesla, mais il faut qu'il y ait un lien physique, sinon ça ne vaut rien. C'est-à-dire, j'ai lu les livres de Sri Aurobindo, si tu vas dans l'astral sans être rattaché physiquement, c'est-à-dire conscient, si tu te balades dans l'astral un peu vaporeux, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'on n'accède pas à la science infuse dans l'astral. Il faut connecter l'astral à soi par l'éther et le faire descendre sur la terre comme la colombe blanche. C'est une initiation. Il faut que tout... Alors j'ai découvert que c'est l'inspire qui va vers le haut, qui touche l'univers de l'éther et qui redescend sous forme d'image, parce que image signifie magie. Donc en fait, tu deviens un être magique quand tu... Quand tu accèdes au champ électrique et au champ supermagnétique, parce que ce que j'ai vu sur une carte, différentes matrices du corps humain mènent à un corps global qui est le souffle magnétique qui se solidifie autour du corps. C'est l'ultime accomplissement, comme on dit, le carbone devient du diamant. Diamant, dans le langage des oiseaux, c'est Dieu et amant et aimanté. Amant, Dieu, amant, diamant, c'est... Dit amant, c'est lead. C'est-à-dire, lead, et comme on dit dans le film, ce qu'on appelle la planète interdite, c'est la guerre de lead, c'est les démons de lead, c'était la substance du subconscient créateur, c'était Dieu. Mais c'était en nous, cette lead entité, par exemple, notre carte d'identité, n'est pas valable comme pour nous prouver qu'on existe. Ce qu'il faut, c'est devenir lead entité, l'entité id, c'est-à-dire intelligente à travers son subconscient et créatrice. C'est au-delà de ce qui est servile, de ce qui est utilitaire, existe le créateur en soi. C'est-à-dire, on est double, comme j'avais dit tout à l'heure, les créatures créateurs, mortels, immortels, finis, infinis. Donc tout doit être attiré vers le centre et ouvrir le portail du plexus pour devenir un autre soleil. C'est ce qui fait que l'eau et le souffle, par une force répulsive, émettront un champ, un super champ autour du corps. C'est ce qu'on appelle le diamant, le... L'eau est un élément un peu frontière, justement, par rapport à ces différentes dimensions. Hein. L'eau est un élément qui se comporte différemment des autres éléments dans tout le monde. Fait. Parce qu'il il permet de basculer, on le voit dans Stargate, on peut le voir notamment dans The Box aussi,
et dans beaucoup d'autres films, dans Constantine, oui. Où le héros doit mettre ses pieds dans l'eau, etc. Tu as raison de dire l'eau, parce que Jean le Baptiste mettait plongeait les hommes dans l'eau pour un nouveau baptême, et c'était selon justement l'inspiration, parce que après, on ressoufflait, c'est-à-dire on expirait, c'est comme si on mourait, mais on ressuscitait en fait. Je te parle de tout ça parce que tu me cites ce milliardaire hindou, et tu me dis que ce milliardaire a fait fortune et qu'il a une grande société dans l'électronique. Alors attends, le grand blond, c'est le père de la fille qui était mariée à un hindou. Le grand blond, donc le grand blond, c'est lui qui avait les tubes. Voilà, et l'hindou, le mari, a une grande entreprise d'électronique de pointe. Et quand on évoque l'aspect de l'électronique, on pense. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ce qui est astralo-cybernétique. Eh bien, absolument. C'est-à-dire que à travers l'électronique aujourd'hui, c'est comme si c'était un support. Bon, on retrouve ça dans Matrix. Ce sont ceux qui arrivent à passer d'une dimension à une autre. Sont des hackers. C'est ça. Sont des pirates qui sont en lien. Ils contrôlent, ils maîtrisent le code informatique puisqu'ils arrivent à créer des matrices dans la matrice. Mmh. Et en fait, l'électronique, on se rend compte que l'électronique, depuis 30, 40 ans que ça se développe, c'est une façon de rentrer dans un monde à la Harry Potter, mais dans notre dimension. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si l'électronique nous permettait de pallier nos insuffisances dans cette dimension qui est une dimension de matière, et qui nous permettait d'avoir un raccourci pour nous plonger dans l'astral sans en être. C'est ça. Avec aussi peut-être une échéance où ces deux dimensions voisines pourraient un jour ou l'autre ne plus être étanches et se fondre. Oui. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais moi, c'est ce que tu me racontes. C'est... par rapport à ton milliardaire, à l'hindou qui est dans l'électronique, tes dieux qui sont plus ou moins éthériques, etc. Mmh. L'énergie libre qui permet de faire un saut dimensionnel. Mmh. Moi, ça, si jamais j'essaie de faire des liens de tout ça, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Maintenant, j'aimerais bien que tu me dises, ces castes, ces familles, qu'est-ce qu'elles veulent ? Quel est leur objectif ? Donc tu dis qu'il y a une hiérarchie très poussée entre ces familles, qui sont justement dans la possession et la détention de cette technologie. Oui. Cette technologie, puisque ici, ça passe par la technologie. On est obligé de passer par là. Et même ces faux dieux, même ces dieux qui ont été pris comme Ishtar dans l'Antiquité pour des dieux ou comme les pilotes des Vimana, utilisaient en réalité une technologie. C'est ça. Pour les amener au niveau des dieux des autres dimensions. Et peut-être qu'eux-mêmes ont pu passer dans les autres dimensions et en apprendre encore davantage et prendre encore plus de pouvoir. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, toi, quel est le but de tout ça ? Où est-ce que tout ça nous mène ? Pourquoi ces codes dans les films d'Hollywood, dans les séries ? Pourquoi nous montre-t-on ces armes ? À quoi nous prépare-t-on ? En fait, ce que je pense être un complot pour moi, c'est que le fait qu'à un moment donné, on veut nous mettre cette puce, parce que Jacques Weber m'avait dit que, il m'a dit textuellement en face de moi, il m'a dit la NASA lui avait parlé d'une toute petite chose, donc qui n'est pas plus grosse qu'un demi-ongle, qu'on appelle la puce. Il m'a dit ça il y a 40 ans. Et il a dit, on pourrait découvrir l'univers, mais ils vont chercher à asservir l'humanité avec ça. Donc moi, depuis, je pense que ce que tu me demandes, c'est quand Nikola Tesla a découvert par des machines l'éther, a attiré avec des machines, c'est ce que John Kelly déjà avait fait. Et John Kelly avait une sorte de générateur en forme de cylindre qu'il s'attachait avec des fils d'or, de platine et d'argent à la machine. Un éclair foudroyant traversait son corps comme Tesla, parce qu'il faut que ça traverse le corps, curieusement. Et là, il pouvait soulever une machine entre 3 et 5 tonnes devant ses collaborateurs. Là, ça m'a tout de suite fait penser à la bande dessinée
tonnerre, c'est-à-dire les agents tonnerre, puisque Rabelou... On retrouve la rune, toujours, tonnerre, oui, l'éclair. Oui, il y a l'éclair, tonnerre, c'est Thunder Agents, qui travaillent pour l'ONU, contre des gens qui possèdent des machines électromagnétiques au centre de la Terre, qu'on appelle le Warlord. Et donc là, et curieusement, ceux du Warlord créent d'énormes gouffres à travers le monde, des gouffres circulaires. Donc ça, c'est une bande dessinée de 1966, et ils ont des armes soniques pour aplatir les agents tonnerres avec une super arme sonique. C'est Iron Maiden, une femme, qui a ça. Et curieusement, elle travaille pour une organisation criminelle qui s'appelle Spider. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit dans la bande dessinée, non seulement est hyper réaliste et concerne ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'ils sont capables de faire des brouillards, des nuages, rempli de particules métalliques en 1966 et créer des trous, des gouffres en plein Central Park et partout dans le monde. On les reconnaît, ils disent c'est le Warlord, c'est eux qui ont créé ces gouffres. Ils sont au centre et ils ont des armes à antigravité, donc, et des canons laser et des canons soniques. D'accord, donc ça c'est annoncé, on le retrouve aujourd'hui dans l'actualité, les Smart Dust avec les chemtrails. Les gouffres, les trous qu'on a vus en Guatemala, en Sibérie, etc. C'est ça. Mais, alors, mais ça nous mène mais attends, où, tout attends, ça je voulais te que... dire, je voulais te dire ça, parce que ça va nous mener. M.W. Rabelou dit, W.M. Rabelou dit que il a été contacté par les soi-disant Vénusiens, et ils disent qu'ils ont une ceinture de force, par un seul petit clic du bout du doigt, et un champ magnétique entoure le corps et les balles dévient. Eh bien, il y a une couverture de Thunder Agent qui s'appelle l'agent secret s'appelle Dynamo, et on voit qu'il a une ceinture qui génère un champ magnétique. On lui tire dessus, les balles ricochent, sont désintégrées par l'impact contre un champ magnétique. Donc, cette ceinture existe dans la bande dessinée en 1966, et Rabelou nous dit ça. Rabelou, c'est un contacté, un expert au niveau vénusien. Donc, on ne peut pas se le dire, si on est un peu de mauvaise foi, que ce contacté a lu la BD. Moi, je pense que Rabelou le dit actuellement. C'est actuellement qu'il dit ça, puisque j'avais la coupure de maintenant. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a la cape de Noman rend invisible, un des agents tonnerres, rend invisible une cape avec un capuchon. Or, dans un laboratoire, on a créé une cape avec capuchon avec des métamatériaux qui diffractent la lumière. Et donc, en fait, on ne voit rien à l'intérieur. Et c'est exactement la cape de Noman en 66. Oui, la technologie est en train de rejoindre aujourd'hui la technologie que les contactés ou d'autres, ou des auteurs de BD prévoyaient dans des fictions, ou même, par exemple, Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est pas un hasard pour moi. C'était non, avant. Pas un hasard, c'était tout à fait. C'est-à-dire, c'était avant que c'était dit. Donc, en fait, il a été dit quelque chose avant qui est dit maintenant dans l'ufologie. Ça a été transvasé dans l'ufologie. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, même dans Doc Savage, où on parle dans la mélodie de la mort d'un peuple souterrain qui possède des armes à ultra-fréquence et des tubes voguant dans des couloirs au centre de la Terre, par des champs supermagnétiques développés par des tours supermagnétiques construites à l'intérieur de la Terre, qui s'appelle la Société des organisateurs de la cité de Manium. Pour moi, la Société des organisateurs au centre de la Terre existe réellement. Mmh. C'est-à-dire ce qui est décrit dans Doc Savage. D'ailleurs, c'est un type qui a une chemise, des bottes, parce que je me suis mis moi, parce que justement, pour rappeler tout ça. Et donc, en fait, il est en plein... C'est ce qu'on découvre sur sur ce qui est dans la grande loge des livres, des petits opuscules de la grande loge du Vril, où on dit que la grande loge du Vril décrit au centre de la Terre des engins qui filent à des vitesses incroyables. D'accord, dans les couloirs, etc. Donc je te suis bien, c'est annoncé dans les BD, c'est annoncé dans les séries depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, l'ufologie se retrouve, enfin aujourd'hui, mais même depuis aussi quelques décennies, se trouve confrontée dans la réalité des témoignages des contactés à cette même technologie. Oui. D'accord. Donc, tu disais que... on pouvait libérer l'humanité entièrement, l'amener à l'antigravité, à une libération énergétique et au niveau de la santé, hein, c'est ce que te disait ton ami. Et au lieu de ça, on va asservir l'humanité. D'accord ? Ça, c'est les différents constats que je peux faire par rapport à ce que tu racontes. Et en même temps, je me dis, mais l'humanité, elle est asservie déjà depuis le début. Ah oui, depuis tout à fait. Très longtemps. Depuis, tout à fait. Les blackouts etc. Alors donc, j'en reviens toujours à la même question. Où est-ce que nous mène ce code ? Alors, le code nous mène à certains qui doivent se réveiller, on doit s'éveiller
à quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire qui est là comme à la verticale. C'est-à-dire on ne doit plus suivre le plan de ce qui est linéaire. Donc, en fait, ça nous le dit à travers ces codes qu'il faut retrouver par l'imaginaire. Comme je disais, image veut dire magie. Donc, en fait, notre imaginaire doit se lier à la réalité pour que tout se matérialise. C'est la gymnastique qu'il faut faire, c'est-à-dire entre l'image et la magie. Alors, est-ce qu'on veut, par manipulation, nous entraîner à imaginer certaines choses pour que, par magie, ces choses se produisent? Qui est en possession du code? Alors, le code est universel, c'est-à-dire nous sommes les porteurs du code. C'est-à-dire nous sommes encodés pour renaître comme une chrysalide. Il faut donc s'attacher à découvrir la partie inconnue en nous pour se révéler à soi-même, d'une certaine manière, afin qu'on passe de l'état de chenille à celui de papillon. Donc en fait, c'est une sorte de ce qu'on appelle, c'est un peu sport comme truc, c'est du sport. Parce que le souffle, le corps physique, il faut abandonner certaines habitudes de manger ceci ou cela, parce que ça change tout de manger ceci ou cela. Curieusement, je ne le pensais pas, mais petit à petit, je m'aperçois qu'à force de chercher, je suis obligé d'arrêter. J'ai arrêté, par exemple, le sucre complet et le sel depuis un an. Donc, on est obligé, parce que l'ordinateur qui est dans le cerveau n'a plus besoin d'être enrayé par des cristaux ou des machins. Toutes sortes de... que ce soit la pollution dans les villes avec les voitures et tout, il faut aller dans la campagne et tout, il faut absolument maintenant devenir le plus possible naturel pour correspondre à la nature, c'est-à-dire les quatre éléments pour devenir le cinquième, pour incarner le cinquième. Et en même temps, l'état mondial nous en empêche. C'est ça. L'industrie agroalimentaire va nous empoisonner. C'est ça. Les ondes. Là, maintenant, les nouveaux compteurs Linky, voilà. Tout est fait pour embrouiller comme les envahisseurs. Le message. Oui, parce qu'ils ont peur que des gens comme toi, moi ou d'autres encore atteignent le plein potentiel de ce que je te dis au fur et à mesure de restreindre les effets au niveau extérieur. C'est-à-dire qu'il faut un recul et il faut un champ, travailler dans un champ. Ce champ, cette alchimie, dont tu parlais, que tu appelles l'énergie libre, qui nous traverse et qui nous transforme en méta humain. Alors comment est-ce qu'on... la privation de sel, de sucre, de cristaux, d'ondes et de retour à la nature, certaines activités, etc., permettent de compresser cette énergie absolument en nous. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Est-ce que tu subodores d'autres systèmes? La fixation d'une image en soi, la placer au sommet du crâne. Le crâne est la grotte, le crâne est le Golgotha, quoi. Et en fait, la conscience minérale accepte l'intense émotion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vibration, une motivation. C'est-à-dire que si la motivation est morte, on est comme une fontaine scellée, l'eau ne coule plus. Donc il faut faire couler à travers nos muscles jusqu'à l'os, l'os étant la partie la plus intéressante dans le sens de l'architecture, c'est-à-dire c'est ce qui rejoint les grandes architectures comme les pyramides, les temples, comme Schwaller de Leipzig disait, tout était fait dans les temples au nombre d'or selon le corps humain. Le nombre d'or du corps humain. Donc il faut récupérer l'énergie au nombre d'or dans le sens quasiment, ce qu'on appellerait presque obsessionnel, mais je dirais en concentration pour la grâce. Parce que ce n'est pas l'effort, mais une forme de grâce qui est quasi instantanée. Mais on n'aimait pas cette grâce parce qu'on a peur du côté féminin quelque part. Le côté féminin étant que moi, je sais que je suis plus féminin dans mes os, dans ma façon de faire, que masculin. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je me suis attrapé des baffes, des coups de poing à cause de ce que je dis, parce que je suis trop féminin d'une certaine manière, je suis trop éthéré, mais matériel quand même, un peu comme Bruce Lee, j'ai des aptitudes à la Bruce Lee d'une certaine manière, parce que je suis un peu dans ce sens-là, mais j'ai beaucoup appris avec ça. C'est-à-dire, j'ai même eu un rêve de Bruce Lee, parce que j'avais une photo de Bruce Lee qui a été prise après sa mort. Curieusement, ça a recommencé comme Bruce Lee était l'ami du King, et du boxeur, là, comment il s'appelait là. Je ne sais pas, là, je ne peux pas dire, c'est pas ma spécialité. Ils avaient tous les trois une sorte d'énergie intense qui leur a permis d'accéder à quelque chose de très particulier. Donc, en fait, le but, individuellement, c'est la transcendance de l'ADN. Alors, le but, tu dis ADN, c'est marrant parce que tu dis transcendance de l'ADN, et je parle dans certains, quand je parle, je dis Adonai,
Adonai, ADN, serait effectivement le dieu qui ferait pousser le super germe, comme, c'est-à-dire la graine qui devient un arbre. Mais l'homme, est-il un arbre? Est-il sûr d'exister actuellement? C'est-à-dire, quand on dit dans la Bible que tu deviens un arbre, enfin, la graine qui est plantée dans la bonne terre devient un arbre et les oiseaux du ciel peuvent se nourrir de ses fruits, est-ce que c'est ça la parabole qui dit qu'il faut mourir comme une graine qui fait plop, et la longueur d'onde du plop fait qu'il y a un énorme arbre qui pousse, comme par exemple la chenille qui va devenir tout à coup totalement différente, ou le morceau de charbon qui va devenir un diamant, et les diamants sont éternels. On atteindrait l'immortalité relative poussée par les technologies de type Tesla, c'est-à-dire réalimenter, on réalimente l'énergie libre qu'on avait perdue, on atteint un certain cap avec, comme tu disais, l'énergie, les champs électroniques, mais ensuite c'est à nous de faire les autres pas, pas qu'à la technologie. C'est-à-dire qu'on était invalides, on avait des béquilles, et les bobines Tesla nous ont... Mais les bobines Tesla sont rachetées sur le marché noir des espions de l'espace pour aller sur d'autres planètes, pour être transférées sur la Lune, Mars, pour des voitures en sustentation, pour des colonnes supermagnétiques, et nous, on ne voit rien. Je dirais que la cause, on est les 12 dieux de l'Olympe, quoi. C'est... Donc, en fait, d'un côté, il y a ceux qui veulent asservir l'humanité. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a ceux qui cherchent, à libérer l'humanité, mais qui lui permettre de se transcender. C'est ça. C'est ça. Et donc, les deux maîtrisent le code, et les deux transposent par différents moyens, que ce soit onirique, le rêve ou la fiction, etc., des images dans l'esprit humain pour arriver à tel ou tel objectif, selon les clans. Alors, c'est ça, parce que la parole, on dit dans ceux qui sont les hyperboréens, qu'ils modulaient la parole, c'est dans les revues Vril, de la Grande Loge du Vril, ils modulaient le mot. Or, Madame Blavatsky dit que c'était le mot des voyelles OAU. OAU, en fait, c'est le père-mère de l'univers expliqué par la Grande Loge du Vril, OAU. Mais en fait, Yaeshuaou, qui est SH pour le souffle prononcé, tu n'es pas obligé de le dire, tu dis Yaeshuaou, qui est devenu Yéjou après, ou Jésus. En fait, Yaeshuaou est le fils de père-mère de l'univers, OAU, dont parle Madame Blavatsky dans la doctrine secrète. Alors ça m'a tout de suite fait briber parce que OAU, qui est le verbe, quand tu le matérialises, c'est le souffle. Le nom nordique c'est le nom nordique du souffle, OAU, qui est en fin de compte, après, devient Yaeshuaou en tant que filiation de OAU. Donc en fait, les verbes, les voyelles prononcées créent une vibration, mais prononcées dans son esprit triunitaire. Ce qui fait que Yaeshuaou ou Vril, Ya, ou toutes ces choses-là, viennent d'un langage très nordique, qui fait que quand on dit que c'est Israël, non, c'est complètement nordique en fait. Les Hébreux sont nordiques, des grands blonds aux yeux bleus en fait, des géants. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on dit dans la matrice Internet, rendez-vous sur Yahoo, c'est le verbe prisonnier d'une matrice. C'est-à-dire, c'est un commencement d'asservissement pour blablater sur Internet, mais tu n'es plus vivant, tu es une entité électrique, mais qui est dominé par le commandeur. C'est le propre d'Internet, c'est la ça. Racine du mot internement, interné. C'est ça. Donc, en fait, l'aliénation alien, interné alien, c'est l'étranger qui est dans la matrice et qui s'appelle Yahoo, mais qui est OAU et Yaeshuaou. Et donc, en fait, le vrai nom qui est devenu après, qui a été matérialisé comme Yaeshua, et après Yeshua, après Yeshu, et après Jésus. Donc, en fait, il faut remonter à la longueur d'onde vibratoire, à l'aspect triunitaire, corps, âme, esprit, avec l'œil au centre, qui est l'œil de la conscience, qui est ce qu'on appelle volumétrique. Et c'est pour ça que les architectures sont volumétriques. Elles renferment cette connaissance par onde sonore. Quand tu les prononces, ça revient à toi. Parce que l'univers tout entier revient à soi. Ça n'est pas égocentrique. C'est solaire. C'est-à-dire, le soleil nous envoie sur un champ magnétique, afin qu'on ne brûle pas, le privilège de devenir comme le soleil. Il faut, notre onde sonore, à travers, quand on retrouve le nord, ricoche au pôle, ça s'appelle l'arcanum. L'arcanum est l'arche des mondes qui est située au pôle et couvre toutes les surfaces élevées de l'univers, les moindres cathédrales, etc. Ça ricoche jusqu'à la tête et ça nous redresse, on devient les agents de l'axe. Et à ce moment-là, l'axe permet de lire l'ancienne genèse des douze constellations, pour être le 13e, si tu veux, et envoyer le signal d'antenne sur la Lune, Mars, Vénus, jusqu'à l'incarnation solaire, afin que ça nous soit renvoyé. Le message n'avait pas été envoyé.
C'est-à-dire, on était nés, mais on n'a pas remercié et renvoyé au Créateur le soleil. Donc, on n'est pas l'enzyme qui devait renaître. On est perdu dans la masse et on n'est pas distinct individuellement pour annoncer l'arbre qui annonce la forêt. On ne dit pas « je suis » et « merci » au Père-Mère de l'univers, au Aou. D'être le Yeshua pour la divinité permanente, pour chaque être humain sur la Terre. Il n'y avait pas ce langage, et les religions ont repris ça pour le masquer. Ils disent, nous, on n'en veut pas parce qu'on va être jugé. Il n'y a pas de question de jugement. Comme il est dit dans l'Évangile, le fils de ce qu'on appelle le fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire sauver, c'est que tu en as une enzyme de plus qui va émettre la longueur d'onde solaire avec la Terre. C'est-à-dire tu retournes à 7,5 MHz, tu envoies l'onde, schlac, ça passe, ça fait un jet d'eau, je ne sais pas, et ça t'envoie l'onde, la longueur d'onde, sur la Lune, Mars, les incarnations que tu n'as pas fait, et qui, en une incarnation, tu deviens le système solaire, et c'est renvoyé sur toi. Alors tu peux penser à la supergalaxie qui est très très loin dans l'univers, tu n'as pas besoin d'un vaisseau spatial, tu y penses seulement, et tu remercies à la galaxie, et tu deviens galactique. L'onde galactique parcourt l'univers à la vitesse multipliée par X de la lumière. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Ce n'est pas d'ailleurs à se déplacer, c'est à rester zen, ici et maintenant. C'est la présence, quoi. Pierre, tu voulais également parler d'un secret. Ah, alors, c'était pour toi un cadeau pour Rock, mon ami. Je m'appelle Pierre et toi, tu t'appelles Rock. Peter. Tu es le Rock et je suis Pierre. Pardon. Bon, alors, je t'ai découvert quelque chose que je vais te dire. Juste avant de conclure, parce que je suis très friand de tous les cadeaux qu'on peut me faire. Donc, évidemment, si tu as quelque chose... On en vient à le mystère de la guerre secrète dont on parle dans l'espace, mais qui sévit depuis la nuit des temps au fond des mers. C'est-à-dire que... Je t'avais parlé plusieurs fois, j'en ai parlé d'ailleurs plusieurs fois, j'ai écrit ça dans des articles, donc dans la revue Top Secret 74 d'ailleurs, c'est encore plus développé, à propos de la troisième force noire dont parle Robert Charroux. Cette troisième force, elle apparaît partout, dans les romans de Perry Rodan, notamment. Après un voyage sur la Lune, en 1960, Perry Rodan assiste à... Il y a un vaisseau spatial qui s'appelle un vaisseau spatial des Arconides. C'est un voyage astral Non, alors Perry Rodan, c'est un roman de science-fiction allemand. D'accord. Qui s'appelle Götterdämmerung, numéro 2, etc. Et on sent qu'il y a des codes. D'accord. Dont, par exemple, ce qui m'a fait penser à des codes, c'est le chronomodulateur, qui est le chronoviseur élaboré par Werner von Braun au Vatican, dont on a parlé plusieurs fois. Dont des experts ont parlé plusieurs fois. Mais quand j'ai vu chronomodulateur, ça m'a tout de suite pensé à chronoviseur de Werner von Braun pour la machine à remonter le temps. Or, c'était réadapté avec ce qu'avait fait Nikola Tesla déjà avec son temporisoscope. Oui. Donc, je parle de ça parce que les agents secrets de la troisième force noire revenaient sur le devant de la scène, mais quand même discrètement. Ceux d'Italie, comme dit Robert Charroux, de France, ils allaient en Afrique, ils étaient aux États-Unis. Et cette troisième force noire dont on parle d'une manière codée dans les romans de Perry Rodan, ils génèrent des super champs. Or, c'est ce que faisaient les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont étudié la séparation des champs magnétiques et la compression du vortex. Donc, en fait, ça a amené à l'opération Philadelphia. Mais au fond des mers, ça a amené à une autre histoire, en fait. Parce que j'ai pu lire donc, à Gusen que Victor Schauberger, la Gestapo, l'a emmené. Il devait travailler sur des moteurs à énergie libre de lumière froide, donc avec des réacteurs, des turbines qui ne chauffaient pas, rien, et des moteurs hyper silencieux. Et on lui avait commandé de faire un sous-marin volant. Donc, je t'ai dit ça tout à l'heure. Et ça m'a interpellé, c'est-à-dire que j'ai recherché, à travers des revues, des livres, ce que c'était que ces histoires dont parlait Ivan T. Sanderson à propos de ces ovnis sous les mers. Et j'ai découvert Alors là, disons que ça fiche la trouille. Et j'ai été tellement impressionné que j'en suis arrivé à quelque chose dont tu parles, toi. D'abord,
Je parle juste avant de la série Voyage au fond des mers. Dans la première saison, tu vois des sous-marins qui attaquent d'autres sous-marins, comme une guerre secrète, si tu veux, un peu comme le capitaine Nemo, avec des champs magnétiques, des rayons laser et tout. Mais je me dis, mais c'est incroyable, c'était en 1964. Ils nous parlent de trucs avant-gardistes absolument impossibles dans Voyage au fond des mers, et ils ont une science absolument incroyable de tout ça. Et bizarrement, dans le premier épisode, je ne me rappelle plus du titre, l'amiral Nelson appelle le Patagone et dit le code 777. Et le code 777, 7 est le chiffre de Apollon. Le 7 juillet, c'est la porte, et le 7e jour, c'est la porte d'Apollon pour la pure lignée des loups, l'Apollon Lykeios. C'est-à-dire, et Adolf Hitler se faisait appeler le loup, ses propriétés étaient nommées Wolf. Donc en fait, là, il y a en arrière-plan, dans la pure lignée viking, il y a les loups-garous, quoi. Donc il y a trois épisodes qui parlent de loups-garous dans Voyage au fond des mers. Donc j'ai senti que, en dessous, ceux de la troisième force noire interagissent à Hollywood pour parler de leur code à eux. Donc l'Apollon, comme 007, c'est pareil, c'est l'Apollon. Et d'ailleurs, il décolle du château d'Annette avec un jetpack, et il décolle et il atterrit, et il dit un homme élégant ne devrait jamais sortir sans cet engin. Alors sa collaboratrice dit c'est un engin formidable, un truc comme ça. Dans quel épisode ? Dans l'épisode qui s'appelle Thunderball. Oui, ben et Thunderball, c'est un jeu de mots, en fait, pour les Foo Fighters, ils se faisaient appeler, comme Renato Vesco le dit, Fireball ou Thunderball, boule de tonnerre. D'accord. Et donc, en fait, curieusement, c'est qu'il y a une bataille d'hommes sous-marins, d'ailleurs, qui étaient utilisés les trucs de Cousteau, là, ce qu'on appelait les espèces comment on appelle ça, des sous-marins individuels. Oui, individuels à turbine. Mm-hmm. Et donc, en fait, et à la fin, on a un combat sur un yacht qui s'appelle le Disco Volante. Donc, en arrière-plan, on décrit autre chose, une autre guerre secrète, avec des codes. Donc, il décolle du château d'Annette, et curieusement, il est dédié à Diane, ce château, le château d'Année. Année ou Annette, on dit. Et donc, Diane, c'est la sœur d'Apollon. Donc, 007, là, correspond à l'Apollon avec sa haute technologie, et il dit, un homme élégant ne devrait jamais sortir sans cet engin. Et bizarrement, les hommes, dans les disques volants, les nazis ne sont plus apparus avec le claquage de bottes, et c'est comme ça, ils sont sortis des disques volants en hommes élégants de Love Flogger Reds et de leur haute vue pour faire croire qu'ils étaient des hommes de paix. Donc, il y a un rapport très sérieux entre 007 et le code 777 prononcé par l'amiral Borg dans les épisodes de Voyage au fond des mers. Alors, j'en arrive à Frelom Lou. Je voudrais te dire quelque chose pour toi. Il faut que savoir que les membres de la troisième force noire se faisaient appeler les chevaliers de Poséidon. Je t'ai déjà dit que dans l'affaire Ferodi est enlevé dans les années 50 dans un disque volant, et un des pilotes se fait appeler le gentleman de Poséidon, et il est emmené dans un dôme sous-marin, donc je crois que c'est dans le golfe du Mexique, il me semble. Hein. Donc en fait, je pense que le gentleman de Poséidon est un des membres de la troisième force noire des chevaliers de Poséidon, et ils avaient déjà la technologie, ce qui a été caché. Mais ce qui est encore pire que tout, c'est ce que je voudrais te lire. Mais alors, on va voir. Alors, allons-y. On y va, pour toi-même. Je parle de sous-marins fantômes, comme c'est décrit dans certains épisodes de Voyage au fond des mers, dont des hommes, dans l'épisode The Amphibian, sont transformés en hommes amphibiens avec des ouïes artificielles. Mmh. Et c'est justement ce que dit Robert Charroux pour des membres de la Troisième Force Noire, où ils étaient transformés en hommes-poissons, ils voulaient devenir des hommes-poissons et créer des cités sous les mers, sous globe. Donc on en arrive exactement au code de ce que l'on voit dans un des premiers épisodes de la série Voyage au fond des mers. C'est The City Beneath the Sea, ça s'appelle. Donc c'est une cité sous la mer, composée de dômes. Un homme totalitaire lutte contre des sous-marins de l'armée américaine, les fait couler, parce qu'il a créé des dômes sous-marins qui ressemblent à ce que voulait faire la troisième force noire nazie des chevaliers de Poséidon. Donc là, on a tout un code. J'ai regardé tous les épisodes de la série pour voir où étaient les codes. J'en ai trouvé plein. Mais maintenant, je fais la suite. C'est-à-dire, à partir des épisodes, j'extirpe la réalité de ces épisodes. Et voilà ce qui se passe dans la réalité. De nombreux sous-marins fantômes se déplaçant à des vitesses incroyables, furent observés sur les côtes de l'Atlantique, du Pacifique Nord, près de Hawaï, de la Patagonie, etc. Un grand nombre d'informations fournies par les pêcheurs cubains de la zone nord de Pinar del Rio, indiquant
La présence alarmante de ces objets, parfois ils décrivaient de grosses colonnes d'eau qui s'élevaient au-dessus d'eux. On a l'impression qu'il s'agit d'un phénomène d'antigravité. Donc, en 1961, le gouvernement cubain envoya donc sur des bateaux de pêche deux caméramens et un photographe de la section du cinéma de Minfar. Les premiers résultats furent présentés en janvier 1962. Toutes les personnes présentes furent très étonnées dans ces documents. On pouvait voir 43 photographies de ces sous-marins supposés et environ 8 minutes de film sur lesquels on pouvait observer une des colonnes d'eau sortir de l'objet en question. Lorsqu'en avril 1963, les Américains perdirent le sous-marin atomique Trecheb, on a pu noter une augmentation des activités des sous-marins fantômes vers Aguas Malas et le Cayo Inés de Soto. Alfaya dit, donc l'auteur de ce livre, dit qu'il a vu les films qui ont été pris entre 1961 et 1962 dans lesquels on peut très bien voir les colonnes d'eau. Elles ont environ 6 à 8 mètres de diamètre et s'élèvent jusqu'à 40 mètres au-dessus de la mer. Et les photographies de ces énormes tubes cylindriques Donc plus tard, Alfaya a eu l'occasion de voir les photos de ces objets étranges qu'un avion de reconnaissance cubain avait prises. Il y en a deux. Près de Cayo Inés de Soto, on les voyait très bien au fond d'un estuaire à une profondeur de 6 mètres. Plusieurs scaphandriers de la marine de guerre de Cuba ont découvert d'énormes cavernes sous-marines près du Cayo Inés de Soto. Je pense que les chevaliers de Poséidon, c'est moi qui parle là, possèdent des bases sous-marines secrètes leur permettant d'attaquer des sous-marins nucléaires depuis les années 50 et 60. Alors là, ce que j'aurais voulu te dire quelque chose qui semble effrayant, ça, c'est la fin de ce que je t'ai dit par rapport à ces deux événements que je vais te décrire. Ces sous-marins, enfin, ces colonnes qui s'élèvent me font penser aux photos qu'on avait publiées. C'est pour ça que j'ai gardé ça, parce qu'on ne peut pas se tromper. En fait, ça se passe donc vers Cuba, et donc ce n'est pas du tout vers le pôle. Non, mais ça, c'est... Puis ce sont pas exactement... Ce sont peut-être des générations antérieures, précédentes. Parce qu'il y a des photos, là. 43 photos, quand même. 43 photos, et ça fait vraiment penser aux photos que nous, on a publiées. Mais par contre, ce n'est pas les mêmes acteurs qui prennent les photos, ce n'est pas les mêmes armées. Et ça date de 61. L'affaire qu'on a publiée était de 71, je crois. D'accord. Ah, donc 10 ans plus tard. Mais en tout cas, ça fait vraiment, vraiment penser à ces photos-là. Assez étonnantes. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est la série des 40 photos. Certaines sont extraites des photos qu'on a publiées dans Top Secret. Voilà. Allons-y maintenant pour conclure. Alors pour conclure, voilà, il y a eu plusieurs attaques de dizaines de sous-marins nucléaires. Et j'en entendais à la télévision et ça m'effrayait déjà. Et je me demandais ce qui se passait. Et là, le sous-marin AZ-2 portait le nom de Scorpion et faisait partie de la série Echo. Il a disparu le 21 mai 1968. C'était un sous-marin lance-torpille dont l'équipage était composé d'une vingtaine d'officiers et de 80 hommes d'équipage. Il pesait 4600 tonnes en surface et 5300 en plongée et était propulsé par un réacteur de 30 000 chevaux. Ces sous-marins mesurent 114 mètres de long. Leur vitesse peut atteindre 28 nœuds en plongée et 20 nœuds en surface. Bien que l'Union soviétique est expliqué que la disparition avait eu lieu entre les Açores et les côtes des États-Unis en plein Atlantique, l'US Navy et la flotte soviétique savent parfaitement qu'il avait disparu près des côtes cubaines dans les environs de la baie de Aguas Malas. La même année, les Russes ont perdu un autre sous-marin atomique, l'Anaconda, porteur de missiles à hydrogène dans la partie orientale du Pacifique Sud. Cette disparition n'a été rendue publique que 8 ans plus tard, lorsque la CIA a parvenu à détecter une partie de l'épave qui contenait encore 60 cadavres. Une mission pour récupérer cette épave a été préparée dans le plus strict secret et l'on construisit même pour cette opération spéciale le Global Explorer, ce que la CIA n'a pas dit. C'était avec Howard Hughes, ça, non ? On n'avait pas fait appel à Howard Hughes pour cette affaire-là. Il y a eu une affaire de récupération de sous-marins soviétiques où l'armée américaine et les services secrets, etc., avaient fait appel. Oui. Aux ressources d'Howard Hughes et notamment de ces bateaux qui étaient conçus et qu'il suffisait d'adapter pour pouvoir remplir ce genre de mission. C'est peut-être le bateau dont tu parles. Et moi, ça m'a fait penser à ce qu'on avait demandé, ce que la Gestapo, quand elle les avait emmenés à Gusen, Victor Schauberger, avait travaillé pour un sous-marin volant.
Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ces sous-marins en forme de tube décollent de la mer, envoient par leur champ gerbe. Magnétique une gerbe énorme, et les moteurs étaient révolutionnaires de type Tesla, quoi. Donc, en fait, là, je vais te dire la suite. Ce que le CIA n'a pas dit, c'est que la partie postérieure où était situé le réacteur atomique, resta introuvable, tout comme les missiles que portait le bâtiment. Sa coque semblait avoir été coupée en deux avec une scie gigantesque, séparant ainsi le réacteur et les missiles de la partie antérieure du sous-marin. Donc, Andreas Alfaya, le triangle des perturbations, ça s'appelle. Édition Robert Laffont, hein, 1980, le bouquin. Donc, moi, je pense que l'Anaconda a été attaqué donc par un de ces sous-marins fantômes. Avec un rayon laser, on a découpé la coque pour extirper le réacteur du sous-marin. Et curieusement, c'est ce que j'ai dit, que la troisième force noire, donc, c'est Robert Charroux qui dit qu'il voulait devenir, il créer un empire sous la mer et attaquer, si possible, des sous-marins français, américains et tout, pour alimenter en énergie nucléaire leur base pour 5000 ans. Et c'était un programme qui devait ensuite faire partie du programme lunaire, cette étude au fond des mers. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça s'est passé réellement. Ça s'inscrit parfaitement dans ce que dit Charroux, quoi. C'est ça. Donc, en fait, il y a bien eu ces attaques et il y a bien eu ça dont personne ne parle. Et Alfaya se pose la question. Le chercheur se pose la question au sujet du silence imposé à propos des attaques de ces nombreux sous-marins nucléaires. Pourquoi les superpuissances tentent-elles de dissimuler cette situation inquiétante? Existe-t-il une troisième puissance qui est entrée dans la lutte pour la domination des océans? Mais justement, Robert Charroux aurait pu lui répondre. C'est effectivement la communauté des Poséidons, quoi. Ben oui, les troisième puissance, c'est à part les Russes et les Américains, c'est bien les Allemands qui possèdent cette puissance, et c'est la troisième puissance qui s'imposait sur le fond des mers. Si on ajoute ces textes-là, les photos qu'on a, c'est vrai qu'on a une vision plus claire de ce qui pourrait être une extension de cette guerre universelle, c'est ça. Qui se déroule dans l'espace et qui se déroule évidemment également dans les océans. C'est ça. Et j'ai un autre cas, une dernière, qui sera un mystère, mais qui concerne tout ça. C'est René Fouéré cite un cas exceptionnel dans le numéro 24 de la revue Phénomènes spatiaux. Donc, Fouéré rapporte un phénomène dont Charles Fort fait état dans son ouvrage intitulé « L'eau », L-O. Je ne sais pas. Le compte-rendu de cet événement fut publié dans le Zoologiste, une revue sans doute, d'après le texte du journal de bord du navire à vapeur Port Salisbury. Le 28 octobre 1902, à 3h35 du matin, alors que ce navire se trouvait... Tu peux nous le raconter, l'histoire? Alors je vais te le dire comme ça. Parce que c'est très détaillé. Je sais que ça passionnerait tout le monde d'écouter cette histoire en détail, mais... Moi, je vais devoir y aller. D'accord. Un objet énorme de couleur sombre évoluait donc sous les mers vers la proue d'un bâtiment. Une masse longue de 170 à 200 mètres qui s'enfonçait lentement sous le zoo. Une sorte de mécanisme spécial. Donc, et les ailerons brassaient l'eau tout autour en faisant un bruit sourd. Le bruit de générateur, quelque chose ressemblant au dos écailleux, était en train de s'immerger. Mais de quoi pouvait-il bien s'agir? Que faisait cette masse mystérieuse en plein océan entre l'île de Sao Tome et l'île de l'Ascension, sur des fonds dont les profondeurs est supérieure à 4000 mètres? La présence des lumières sur l'objet permet d'affirmer que ce n'était pas un serpent de mer. Il semble plus logique de supposer que les marins de Fort Salisbury ont été témoins d'un phénomène comparable à celui auquel assistèrent 63 ans plus tard les membres de l'équipage du pétrolier Jawesta, avec une différence cependant. Les premiers virent un vaisseau cosmique géant qui pénétrait dans la mer pour gagner un mystérieux refuge sous-marin, tandis que les seconds aperçurent un appareil semblable qui sortait de Londres. Pouvons-nous réellement considérer que nous sommes les maîtres de notre monde? Ou bien, au contraire, vivons-nous sans en avoir conscience en compagnie de créatures ayant atteint un très haut niveau d'évolution qui règne sans partage dans notre atmosphère, dans les profondeurs de notre océan et sur toute la surface de ce que nous croyons être notre globe? Je crois... Alors, tout paraît indiqué... Ça, pour résumer, la phrase de Shakespeare, il y a plus de mystère dans le monde que dans toute votre philosophie. Voilà, et Charles Fort qui dit « Je crois que nous sommes la propriété de quelqu'un ». Donc, voilà. C'est-à-dire, je pense que... Ça doit être du 19e siècle, fin 19e siècle. Ça, c'était 1902. Début 20e siècle. Début 20e siècle. Peter Knight, un grand merci d'avoir participé à cette émission.
Je merci dois me Rob. Sauver, je dois en aller. Merci. Et à une très prochaine fois, j'espère. Bon, ben, j'espère aussi. Merci de merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Rock.